Bonsoir, 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 Juliette. Bonsoir à tous, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Bienvenue. On s'est dit bonsoir ce soir, c'est bien quand c'est en direct comme ça, c'est sans fil, et ça c'est de la télévision. Ce soir nous allons aborder un sujet universel et passionnel. C'est un, on traverse des périodes qui sont un peu compliquées. On se dit toujours qu'il faut pouvoir se reposer sur des choses qui sont vraiment solides et surtout des choses qui en valent vraiment le coup. Il s'agit du sujet qui souvent a lui aussi des allures de montagne russe, un peu comme le monde qui nous entoure, un peu comme les métiers qu'on a tous ou qu'on a perdus, qu'on veut retrouver, mais des métiers, qui, des choses qui veulent la peine de se battre. Je parlais de la grande aventure du couple. Ça, on n'est jamais déçu de s'être battu pour elle. C'est un secret pour personne, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça n'existe pas et c'est très bien comme ça. On pourrait dire plutôt que la vie à deux ressemble à une sorte de tourbillon parsemé de surprises qui sont bonnes et mauvaises, d'obstacles que l'on doit à chaque fois essayer de contourner pour pouvoir poursuivre. C'est tellement plus facile d'arrêter, de plus battre ou contrairement à nos invités de rester chez soi. Nos invités sont là pour en parler, ils se sont battus, ils se battent encore pour rester juste ensemble. Partager ensemble cette grande aventure, rester sur le même bateau, regarder dans la même direction avec un objectif, surmonter ensemble les différentes étapes de la vie de couple. Alors on a travaillé tous ensemble avec nos invités, avec nos journalistes, avec Jean-Baptiste, avec Stéphanie, Clauriane, Laura, etc. Il y aurait en fait 7 étapes. 7 étapes, 7 comme 7 jours, 7 c'est un chiffre important, 7 comme 7 années de réflexion, 7 comme 7 merveilles du monde, 7 surtout comme les 7 moments clés qui ponctuent la vie à deux. Alors est-ce qu'on les a en... On les a pas. Alors je voulais. Alors première étape, la rencontre. Ben oui, j'espère. Deuxième étape, l'engagement et la concrétisation de l'engagement. Pour certains, c'est le mariage, mais le vrai, c'est sans doute l'arrivée du premier enfant. Troisième étape, qu'il faut surmonter, le ronron du quotidien. Vous connaissez ou la routine. Quatrième étape, la crise de la quarantaine. Qui a connu? Monsieur, ou dites du milieu de la vie. Cinquième étape, la tentation de l'infidélité, et parfois une tentation qui ne reste pas qu'une tentation. J'en suis où, Dorothée et Michel? Numéro 4. J'en suis où? Numéro 6, le départ des enfants. C'est vous, madame. Et numéro 7, alors numéro 7, quand on arrive à numéro 7, on pense qu'on est sauvé, mais non. Il faut encore trouver l'énergie pour insuffler un nouveau souffle, numéro 7. Le nouveau souffle. Mes invités ont traversé certaines de ces étapes. Ils viennent ce soir nous faire partager avec vous leur expérience. Ils sont ce soir donc nos experts, du haut de leur expertise, pour nous confier leurs doutes, ça n'a pas toujours été facile, leurs angoisses, mais aussi évidemment leurs solutions pour faire face à toutes ces épreuves, donc 7 étapes de la vie. Merci de les accueillir chaleureusement. Alors, Jeanne et André. Dimanche dernier, on est le dimanche dernier, il y a trois jours, le 26 octobre, vous avez célébré vos noces de... D'émeraude. D'émeraude. Ça fait combien d'années d'émeraude? 40 ans. N'allez pas penser pour autant que ça a toujours été facile. Tout le monde dira 40 ans, 50 ans, 30 ans, etc. Mais ça n'a pas toujours été facile, ça a même été super difficile. Oui. Oui, ça a été difficile d'arriver jusque-là, effectivement. Oui. Il y a eu un moment où vous pensiez... Enfin, il y a eu un moment où... Oui, on était très loin des 40 ans, à une certaine période. Combien de crises en 40 ans et... Une grosse crise de 3 ans. Une grosse crise de 3 ans. Voilà. Quelle étape? 45 ans, quelque chose comme ça. Donc la crise de la quarantaine. Voilà, l'étape numéro 3 ou 4, je sais. Voilà, c'est cela. L'étape numéro 4, que vous avez vécu différemment. Vous avez le même âge, tous les deux, vous vous êtes connus très tôt. Hein, pour avoir 40 ans de mariage, il faut s'être connu tôt et puis il faut s'accrocher longtemps. Et le démon de midi vous a frappé? Oui, c'est cela. On a changé un petit peu d'activité. Je me suis retrouvé dans d'autres situations. Donc j'étais tenté. Et vous êtes parti vers une jeune femme? Oui, voilà, je suis parti sur une jeune femme après avoir une amitié avec une première. Donc je suis parti avec une deuxième qui m'a donc tenté. N'en dis pas plus, je pense à vous tous les deux parce qu'il faut être deux pour vouloir continuer à continuer. Pendant 3 ans, vous êtes restés séparés, je le dis quand même. Hein, ça n'a pas été facile tous les jours. Je vous demande d'accueillir Dorothée et Michel maintenant, s'il vous plaît. Dorothée et Michel, pour aller vite, c'est le début de l'émission, quelle étape a fragilisé votre couple, tous les deux? Une première crise avec beaucoup d'incompréhension après la naissance de notre fille, et puis la deuxième, une infidélité en fait. D'accord. Qui est une étape? Qui a dérapé? Moi. C'est vous qui le doigt. Michel? Non, après j'ai rencontré une autre personne, moi, à la suite de ça. Mais bon, dérapage voilà. Contre dérapage. Voilà.
Donc tous les deux, vous avez... Et vous êtes là aujourd'hui. Alors on va voir si vous êtes toujours ensemble, si vous avez réussi à surmonter tout ça. C'est une des étapes de la vie de couple, cela arrive. Et dans beaucoup plus de couples qu'on voudrait le dire, même si tout le monde jette l'anathème, l'infidélité, connue ou pas connue. Tout à fait. Confiance restaurée ou confiance pas restaurée. Vous nous en parlerez. Je vous demande d'accueillir également Virginie. Bonjour Virginie. De quelle étape êtes-vous venue spécialement parler ce soir ? Le cocon qui a éclaté. C'est-à-dire ? Les enfants qui sont partis. Et qui changent tout à la vie de couple ? À la vie de famille et à la vie de couple ? Et le vide autour de soi. Et vous aviez un mari, pas le vide ? Oui. Ça ne suffisait pas ? Non. Comment surmonter le départ des enfants ? Étape numéro 6. Vous nous le direz tout à l'heure. Je crois que ce n'est pas toujours facile encore aujourd'hui. Hein. Quel âge ont-ils ? 27 ans, Aurore, et 24 ans, Benjamin. Et votre mari est là aussi ? Mon mari est là aussi. Ah, vous aviez oublié ça, tiens, en passant. Non, mais je ne l'oublie pas, il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Quand on parle de grand vide en parlant de son mari, ben, il faudra parler de tout ça et de voir comment vous l'avez surmonté ou pas, ou là où vous en êtes aujourd'hui. Je demande d'accueillir Joël et Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc, bonjour Joël. Ils sont là, ils sont derrière vous, vos supporters. De quelle étape êtes-vous venu spécifiquement parler, en particulier ? On va dire de deux. Lorsque l'enfant arrive, le premier. Ça, c'est la deuxième étape. Ouais. Et puis la cinquantaine, quand elle arrive, la ménopause. D'accord. Alors pour moi, en tout cas. L'étape du milieu de vie et demi, disons, qui est comme la quarantaine, cinquantaine. Et... Ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, un petit peu. Dites-nous en deux mots. Ben, le corps qui change, surtout pour la femme, on va dire. Des petits soucis qu'on n'a pas forcément envie de dire à son mari. Quel genre ? Je ne suis pas votre mari. je m'appelle Jean-Luc aussi. Mais... Oui, oui. Bon, style sécheresse vaginale, prise de poids, beaucoup de choses. Et puis l'âge aussi. Question du désir, vous nous avez aussi. Parlé. Aussi. Ouais. Et ça, c'est lié tout ça. Il y a beaucoup de choses. Le corps qui se transforme, beaucoup de choses à vivre. Quoi. Le sexe est un ciment du couple, évidemment. Oui. Il l'était particulièrement pour vous, je crois. Il l'est toujours. Ah. Mais il y a eu. Mais oui. Il a fallu. Bien sûr. Quoi ? Eh bien, je trouve que, surtout les femmes, on va dire, il faut prendre sur soi et puis se dire qu'il faut faire des efforts. Il y a du mai. Il y a du mai. 38 ans de mariage, hein ? Oui. Préparez-vous pour les noces d'émeraude. D'ici 2 ans. Voilà, pour nos invités, d'autres invités, je vous présente à travers ces quelques fiches d'identité, des invités à qui nous avons consacré un reportage. En voici une forme de bande-annonce. Sunny. Hélène et Vincent, yesterday, Stéphanie et Geoffrey, ils sont à un tournant de leur vie amoureuse. Sunny. On fait un peu de la colocation, j'ai l'impression. On parle des enfants et beaucoup des enfants et surtout des enfants et de nous beaucoup. Ça te dérange pas que toujours que je dorme là ? Ça me dérange pas, mais j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu pourquoi quand même. Aujourd'hui, ils sont confrontés à une étape décisive de leur vie de couple. Étape décisive pour Hélène et Vincent, l'arrivée d'un bébé. Bah après la naissance de la petite, ça sera complètement différent parce que elle va s'en occuper à 100%. Étape décisive pour Stéphanie et Geoffrey, la crise des 5 ans, quand la routine s'installe. C'est toujours la même chose, le même quotidien. Je voyais la vie de couple quand même plus romantique, oui c'est le mot je crois. Ils nous ont ouvert leurs portes dans ces moments difficiles. Ils ont accepté de livrer sans phare leurs doutes, leurs peurs, mais aussi leur volonté de sauver leur couple. Il n'y a pas de raison qu'à trois ça fonctionne pas. Ça va marcher, il n'y a pas de raison. Bonsoir à tous les deux. Merci de venir partager. On dit livrer sans phare, ceci, cela. Non, c'est pas du spectacle. On vient partager une expérience pour pouvoir... Oui, on est là pour ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ce qu'on vit. Voilà. Et puis j'espère qu'en écoutant les histoires des autres aussi, on aidera... Je sais, c'est valable pour tout le monde. Hein. On est tous dans le même bain, si j'ose dire. Pour conclure cette émission, alors c'est difficile de sur un sujet comme celui-ci, cette étape, émission structurée, plein de choses à apprendre sur un sujet qu'on croit tellement connaître. Qui pouvait donc conclure une émission de ce soir ? Eh bien, un couple, forcément. Un couple... à la Seine et à la ville, un couple tout le temps, 24h sur 24, ou quasiment. Je viens d'accueillir Pietra et Julien Derouault, Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault, qui sont nos invités. Bienvenue à tous les deux.
Alors, vous êtes, fondateur d'une troupe, mais vous êtes toujours danseur, ça c'est génial. Oui. Et puis, c'est un plaisir de vous voir. Au Palais des Congrès, je vous ai vu, il y a un truc sur l'apocalypse, la fin du monde, qui était extraordinaire. Là, vous allez vous préparer un autre spectacle qui est pour le mars prochain. Oui, c'est ça. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Marco Polo. On a fait la première, d'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques à Pékin, qui s'est suivie d'une tournée de 5 semaines. Et puis, on revient en France. Ouais. Je suis content de vous retrouver. On s'est déjà vu sur un plateau. Alors, parlons de votre histoire de couple. Tout le temps, vous êtes tout le temps ensemble? Pratiquement. Oui, quasiment. Pratiquement. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Vie privée et vie publique, mais vie publique, je dirais, professionnelle, passionnante, parce que c'est la danse qui nous réunit, cette passion très dévorante et qui nous prend beaucoup de temps, effectivement. Oui, qui est une manière de partager aussi des sentiments, je pense, le non-verbal, l'expression différente permet sans doute de se dire des choses sans avoir à les formuler. Alors, je ne sais pas si ça vous permet de sauter des étapes ou... Vous êtes retrouvés dans les étapes, vous avez différentes étapes? Oui, enfin pas toutes, parce que nous, on est... Votre enfance, c'est la danse. Maman et papa d'une petite fille de 4 ans, alors on n'a pas encore l'étape que la dame connaît de l'enfant qui part, voilà. Mais effectivement, je crois que c'est la vie de couple, c'est une aventure extraordinaire. Soit c'est la seule qui vaille le coup, vraiment, de ne jamais lâcher, je crois. Non, Julien? Ouais. Mais je crois que c'est aussi, pour nous, c'est aussi la création... artistique qui est un moteur énorme, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être toujours au démarrage, quoi. C'est une remise en cause et du travail et de la vie perpétuelle. C'est la chance qu'on a, nous, les artistes, et surtout de travailler ensemble, de créer. C'est sûr que ça doit aider, mais quand même, le fait d'être toujours ensemble, ça passe ou ça casse. Hein. C'est aussi, plus Pietra, caractère, non? Non. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une légende, ça. C'est une légende. Oui. D'accord. En fin d'émission, c'est notre 15e anniversaire de nous tous, de Ça se discute en particulier. Notre 15e saison. Avant d'entrer dans le détail de ces 7 étapes, on va passer aux 15. On retrouvera en fin d'émission des invités qui nous ont marqués pendant les 15 ans de Ça se discute et qui viennent nous donner de leurs nouvelles. Regardez ces images. Ce soir, en fin d'émission, retrouvez les invités marquants de Ça se discute. Depuis 15 ans, ils sont plus de 8000 à s'être confiés sur ce plateau et à témoigner des évolutions de la société. 15 ans de témoignages, 15 ans d'expérience de vie, 15 ans de partage. Nous n'avons jamais oublié Gaëtan. Il avait 13 ans lors de son passage à Ça se discute. Des lésions cérébrales l'empêchaient d'avoir une scolarité normale. Son père lui faisait l'école à la maison. Est-ce que tu aimerais que la classe s'agrandisse, qu'il y ait plus d'élèves? Bah oui, j'aimerais bien. Le problème, c'est que... notre classe est petite, donc on ne peut pas mettre beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, il a 22 ans, il nous donnera de ses nouvelles. En 2001, Marie-Pierre était une toute jeune maman. Elle avait 17 ans et déjà une petite fille de 2 ans et demi. Allez, au ciel, on va faire dodo. 7 ans plus tard, la petite Océane a bien grandi. Elle sera là tout à l'heure avec sa mère. En 2000, David nous avait fait part de sa décision de ne pas avoir d'enfant. Il refusait de prendre le risque de transmettre sa maladie. Moi, je peux pas compter sur la chance pour qu'il l'ait pas, quoi. J'ai appris à vivre avec, peut-être que mon enfant ne va pas du tout y arriver. 8 ans après, il nous dira s'il a changé d'avis. Ça se discute, 15e saison, c'est tout à l'heure. Allez. C'est toujours bizarre de voir les invités, enfin je ne sais pas si ça vous fait bizarre à vous, mais ça fait bizarre de voir des invités qui sont venus depuis aussi longtemps et qui avaient des enjeux importants au moment où ils sont venus ici et des choses à Gérard et Gaëtan. C'était compliqué. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous nous le direz tout à l'heure. Tous nos autres invités, Marie-Pierre, et puis évidemment aussi David avec ses problèmes qui posaient question d'une des étapes qu'on va évoquer aujourd'hui, à savoir notamment avoir des enfants, n'est-ce pas? Exactement. Ben, je vous souhaite une bonne émission, puis merci. À tout à l'heure pour nous dire comment vous avez dépassé les enjeux qui étaient importants pour vous à l'époque. Alors, on trouvera peut-être dans 15 ans nos invités. Marie-Pierre nous a rejoints. Et pour commencer ce soir, Marie-Pierre, on va débuter avec votre témoignage qui va en fait nous situer dans quelle situation vous vous trouvez aujourd'hui et quelle situation il vous faut résoudre. C'est un tournant. Vous affrontez en ce moment une étape très délicate de votre vie. Je crois que vous vous sentez un petit peu perdu, ce que vous avez dit à notre équipe. Oui, c'est ça. Complètement perdu. Pourquoi?
Parce que dans les sept étapes, là, je suis à l'étape 3 où on est dans le ronron du couple, des choses qui se sont installées et notamment une non-communication et qui n'est plus vivable, quoi. Moi, je ne peux pas vivre à côté de quelqu'un, j'ai envie de vivre avec quelqu'un. Donc pour l'instant, je vis à côté de mon mari et on... Et ça n'a pas toujours été le cas au début. Il n'y avait pas ce ronron au début. Au début, c'était formidable. Depuis combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? On est mariés depuis 7 ans. Alors ça aussi, on dit que c'est une étape, hein? Ouais. Bah, j'y croyais pas, mais finalement, je finis par changer d'avis. Donc 7 ans, c'est les noces de laine. Vous savez, si je tirer sur un fil pour détricoter tout l'amour d'un coup, quoi. Il faut faire gaffe. Vivre à côté, ne plus communiquer. Il en est conscient, votre mari? Oui. Oui, et donc lui, il a entrepris un travail sur lui-même pour essayer de résoudre le problème. Mais ça ne résout pas tout. Il résout ses problèmes à lui, mais ça ne résout pas nos problèmes à nous. C'est quoi vos problèmes à nous, à vous, en tout cas? C'est justement cette non-communication, ce fait qu'en fait, on n'arrive pas à se parler sereinement, on n'arrive pas depuis combien de temps à dialoguer, surtout depuis un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un événement spécial ou pas? Il y a eu deux événements coup sur coup où en fait il a perdu son père dont il était très très proche. Et 10 jours après est née notre petite fille, hein, qui est notre deuxième enfant. Donc la mort puis la vie. Voilà, donc deux émotions très très fortes dans un sens et dans l'autre. Mmh. Et qui aujourd'hui il a encore du mal à gérer. Et donc à parler avec vous? Et il n'en parle pas du tout avec moi. Et donc vous ne vivez plus avec, mais à côté, voilà. Et ça ne vous va plus au point de penser à faire votre vie autrement? Je ne sais pas si j'en suis là, parce qu'on est toujours très amoureux l'un de l'autre et qu'il y a au moins une chose en commun, c'est qu'on a envie de sauver notre couple, on n'a pas envie que la situation reste telle qu'elle est. Où est-il aujourd'hui? À la maison. Il n'est pas là. Il sait que vous êtes ici? Oui, il sait que je suis ici. Vous avez répondu à notre appel à témoignage, oui, je crois. Oui. Il le sait? Qu'est-ce qu'il en pense? Franchement, Il n'approuve pas. Il n'approuve pas? Non. Donc vous l'avez fait contre son gré? C'est quoi? C'est pour témoigner ou c'est pour provoquer? Il y a plein de raisons de venir témoigner sur C'est un peu des deux. Parce que j'ai envie de provoquer un déclic chez lui. J'ai envie de lui faire comprendre à quel point, moi, la situation me fait souffrir et que moi, je ne peux plus supporter cette situation. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Donc il faut qu'il y ait une solution, soit dans un sens, soit dans l'autre. Mais il faut que la situation se débloque. À chaque fois, je suis toujours curieux d'apprendre pourquoi les gens veulent venir sur ce plateau. On a beau avoir 15 ans d'expérience, de ça se discute. Alors, il y en a qui nous disent que c'est pour pouvoir informer tout le monde en même temps d'un truc important, toute la famille. Il y en a qui disent que c'est pour se libérer, d'autres pour partager une expérience. Et d'autres aussi parce qu'il y a un lieu propice, comme ça peut être le cabinet psy, etc., où on a l'impression que la parole sera mieux entendue. Oui. Et donc ici, vous avez envie qu'il vous... C'est ça, si je vous comprends bien? Oui, j'ai vraiment envie qu'il entende le message. Lequel message? Que moi, j'ai envie qu'on fasse quelque chose pour notre couple. Moi, ma solution, ce serait d'aller voir un thérapeute de couple. Ensemble? Ensemble. Mais il regarde l'émission ce soir? J'en sais rien. On peut essayer de l'appeler chez lui? Chez vous? Je ne suis pas sûre qu'il apprécie, mais... Comme vous voulez. Je laisse réfléchir à ça. Je peux vous... Ouais, non, mais... C'est pas crucial. Je pense que ce qui est important... Non, parce que si vous êtes venu lui dire quelque chose et qu'il regarde une autre chaîne, c'est dommage, quoi. Je trouve aussi. Maintenant... Je ne suis pas à sa place, quoi. Je ne peux pas faire les choses à sa place. Là, on est en direct. En plus, il faut regarder la diffusion sur les autres chaînes. Bref, bon. Vous avez répondu à notre appel à témoin. Vous êtes là pour ne pas poser un ultimatum, mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas loin, quoi. Non, c'est parce que, en fait, j'aime pas le terme ultimatum parce que ça fait vraiment forcer. Ouais. Dis-toi à quel point l'ambiance est tendue à la maison. Les tensions se ressentent à tous les niveaux. Donc, on n'arrive pas à se parler sereinement. Moi, la première, quand je lui parle, c'est pour lui faire des reproches, c'est pour... Bon. Vous travaillez? Oui. Il travaille, lui aussi? Oui. Vous voyez le matin, vous prenez votre petit déjeuner ensemble? Non. Vous prenez votre déjeuner ensemble? Non. Vous prenez votre dîner ensemble? La plupart du temps, on essaye, oui. Bon, c'est un moment important, le dîner. Vous pouvez parler à ce moment-là? Non. Pourquoi? Parce que, en général, parce qu'il y a notre fils qui dîne avec nous, donc voilà, c'est pas le quel moment. Âge, quel âge? 4 ans. D'accord. Bon, à un moment, il va se coucher, ce petit. Oui. Donc, vous pouvez vous retrouver ensemble. Oui, parfois, devant la télé, c'est bien pour parler aussi. Voilà, on pourrait se retrouver ensemble, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a toujours des excuses. Un soir, le foot va être plus important que de discuter. Mmh. Et voilà, c'est ce où il se réfugie beaucoup sur son ordinateur, des choses comme ça. D'accord. Et quand vous êtes au lit, tous les deux, alors?
En général, on parle pas au lit, donc... Non, mais ça veut dire vous dormez ou vous avez encore des relations intimes importantes ? On a retrouvé des relations intimes, mais récemment. Et vous partagez vos nuits ensemble ? Parce que j'ai cru comprendre que ça dépendait un peu. Ça n'a pas toujours été le cas. Et vous avez chambre à part ? Non, mais il y a des moments où en fait, je me suis servi de ça comme moyen de pression. Pas forcément fière de ce que j'ai fait, mais en fait, pour lui faire comprendre que moi, ça n'allait pas et que je n'acceptais pas cette situation, il y a des moments où je dormais sur le canapé, pas plus tard qu'il y a 15 jours, c'est encore arrivé, quoi. C'était pour lui dire quoi ? Bah, pour lui dire, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu réagis, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu veuilles pas me parler, avec le fait que je... Quand vous avez envie de parler, vous accrochez, vous essayez encore de parler, encore et toujours ? Bah oui. Ouais, ah qu'est-ce qu'il répond, par exemple ? À part le foot, il n'y a pas le foot tous les jours. Qu'est-ce qu'il répond ? J'ai pas envie, je peux pas, c'est pas mon genre. Non, mais la plupart du temps, c'est qu'il n'arrive pas à me le dire. Il n'arrive pas à me dire que... ne serait-ce que me dire qu'il n'a pas envie de discuter de ça parce que c'est pas le moment, parce que voilà. C'est jamais le moment, quoi, c'est voilà, ça ? Voilà, j'ai l'impression que c'est jamais le moment. On reprend les étapes l'une dans l'autre. Alors, première étape, la rencontre. Comment s'est passée votre rencontre à tous les deux ? Bah, super bien. En fait, on était en cours de rock tous les deux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et c'est bien, la danse. Ouais, et ça a accroché tout de suite. Et c'était pas un coup de foudre, mais... Vous continuez à faire de la danse ensemble ? Vous avez continué longtemps à faire de la danse ensemble ? On a continué jusqu'à l'arrivée du premier enfant, en fait. Donc depuis 4 ans, vous n'avez plus ce partage-là dont parlait Julien tout à l'heure qui... Voilà. Ouais. Dommage. Deuxième étape, aidez-moi. L'engagement. L'engagement, donc le mariage ou surtout l'enfant, quoi. Voilà. Là, ça a tout changé ? L'enfant, oui, parce que moi, je me suis beaucoup focalisée sur notre fils. Et c'est vrai que j'ai construit une relation très exclusive avec lui. Et donc, du coup, je l'ai un peu évincé. Et il n'y avait plus de place pour lui à ce moment-là. Donc, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. Vous avez votre part de responsabilité. Ah oui, 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 je la reconnais, oui. Je reviens en arrière. On reste sur l'étape numéro 1. On passe à l'étape numéro 1 avec tout le monde. La rencontre, parce qu'elle est souvent déterminante. Comme on dit, on a rarement l'occasion de faire deux fois une première impression. Où en suis-je ? Jeanne et André, dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés ? Bien, nous sommes rencontrés pendant les vacances au mois de juillet, donc quelques années. On est arrivés simultanément sur la place d'un village qui est en Corse, sur un flanc de montagne. C'est la fin de la route qui est là, on est arrivés ensemble, donc déjà il a fallu s'embrasser. Et puis, vous êtes arrivés ensemble ? On est arrivés ensemble simultanément. Au même moment. Voilà, au même moment. Donc, ma femme arrivait avec ses petits frères pour passer quelques jours chez sa tante. Et moi, j'étais dans ce village avec des amis qui avaient de la famille aussi dans ce petit village. Un petit village corse ? Oui, à peu près 10 habitants l'hiver, 50 l'été. Petit, ça. C'était petit. C'est bien la Corse. Ouais. D'accord. Vous aviez quel âge ? 21 ans. Pareil ? 21 ans. Pareil ? Oui. Tous les deux, 21 ans. Coup de foudre ? Enfin, comment vous diriez ? Qu'est-ce que vous... Oui, oui, c'était un coup de foudre, absolument. Ah oui, oui, coup de foudre. On m'a dit qu'en préparant ces émissions, vous étiez un peu timide, c'est ça ? Oui. Ouais, et que vous avez peur d'être... Vous connaissez notre émission ? Oui. Bah, détendez-vous, desserrez les bras. Franchement, il ne peut rien vous arriver, je jure. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti ? La première impression, c'est important ? Oui. Votre couple a débuté de quelle façon ? Elle a débuté qu'on est parti se promener et puis, bon, ben, comme il n'y avait pas grand monde dans le village, j'ai vu ce jeune homme, j'ai dit tiens, il est sympathique, tout ça. Et puis tous les soirs, on se voyait, on allait se promener. Et puis, bon, ben, ça s'est terminé main par la main et voilà. Pas plus ? À 21 ans ? Non, pas plus. Non. Vous aviez connu d'autres amours avant ? Non. Aucune relation avec un homme auparavant ? Non. Donc vous n'avez connu... Et vous, bon, j'avais des flirts, j'avais eu des flirts. À l'époque, c'était ça, surtout. Il y a 40 ans. Hein. Oui. Un peu plus que ça, puisque c'était avant le mariage. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, ça s'est concrétisé, comme disent les parents à l'époque. C'est devenu quelque chose de sérieux et d'officiel. Voilà. Et vous avez donc formé un couple. Ça, c'était votre premier amour à vous, André. Oui. Était-ce votre premier amour à vous aussi ? Oui, oui, absolument, absolument. Bon, j'avais quelques flirts aussi avant, mais très superficiel, plus le temps de quelques vacances, par-ci, par-là, quoi. Jean-Luc et Joël, la rencontre, étape numéro 1. Oui, à quel âge, dans quelles circonstances ? J'avais 14 ans. Waouh ! Et moi, c'est jeune quand même, hein ? Oui. Oui. Et moi, 18. 14-18, ça rappelle les trucs, bon, d'accord. Okay. C'était alors plus gay quand même. Oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est un coup de foudre ? Moi, quand j'ai vu, tout de suite, j'ai su que c'était lui.
Je n'expliquerai pas. Je suis toujours estomaqué, les femmes savent ça. À quoi vous le savez, ça? Je ne sais pas. C'était un sentiment particulier. Je savais que c'était ma chance. Il ne fallait pas que je la laisse passer. Vous aussi, vous avez eu ça, hein? Oui. Vous saviez que c'était lui? Oui. Au premier regard? Oui. Non, c'est vrai? Virginie? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti au premier regard? Il n'en revient pas. Un sentiment d'énorme sécurité. Et ça fait 30 ans que je suis mariée. Oui. Sécurité? Tout. C'était lui. C'est là que ça se passe. C'est avec lui que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est tout qui se passe. C'est tout. S'il y a un cœur sous la moustache, j'imagine que c'est le cas. Oui. Jean-Luc. Oui. Enfin, il faut quand même qu'il dise que c'était pas moi qui voulais le départ. Il avait dévisé sur ma soeur. Il faut qu'il le dise? Oui. Bah, dites-lui de le dire. Dites-lui de le dire. Je vous en prie, faites votre travail. C'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, oui, j'ai une soeur qui avait 3 ans de plus que moi. Ah, c'était plus de son âge, oui. Voilà, vous avez tout compris. Et c'est vrai que bon, c'était. Il voulait que ma sœur au départ. Et moi, j'ai été voir ma sœur, je lui dis fiche-moi la paix, celui-là, il est pour moi. C'est ce qui s'est passé. Et bien, elle l'a envoyé promener, elle lui a dit allez, hop, tiens ma sœur là-bas. Solidarité fraternelle, bravo. La rencontre. En boîte de nuit. Boîte de nuit, pourquoi pas. Classique. Et c'est marrant parce qu'au départ, c'est ma sœur aussi qui l'a remarqué. Mais elle m'a dit, viens, on avait changé de salle. Et en fait, elle me dit, viens, on va dans l'autre salle. J'ai vu quelqu'un de très mignon. Et elle me l'a montré. Et quand je l'ai vu, ça a été... j'ai fait... Ouf. Comme quoi? Waouh. Séduite. J'étais très séduite, ouais. Sans même lui avoir parlé? Ouais. Parce qu'il était le plus beau de la Terre? Ah, oui. Ouais. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Et ça m'a vraiment fait un effet que j'avais pas. Ça a été vite, hein. Qu'est-ce qui s'est passé une semaine après votre premier rendez-vous? On a habité ensemble. J'avais mon appartement, mais on... C'est clair. Ouais. Mais une semaine après, vous êtes installés ensemble. Ouais. Et depuis? Vous n'aviez aucun doute? Enfin, je veux dire, pourquoi vous allez aussi vite, tous les deux? Parce qu'on en avait envie, je pense. Ah bah ça, je me doute bien, c'était pas obligé. Mais quand même, une semaine, c'est pas fréquent, quoi, une semaine après. Ouais, mais bon, quand on sent que la personne, elle est... on va faire un bout de chemin ensemble, ben voilà, faut y aller, quoi, et il faut se lancer. À la réflexion, c'était pas trop tôt? Non. Non. Mm-hmm. Vincent, la rencontre? Oh bah, moi, j'ai connu Hélène au collège, donc il y a une quinzaine d'années. Et puis bon, c'était un flirt au départ. On s'est séparés un petit peu, deux ans, puis maintenant ça fait 13 ans pardon, qu'on est ensemble. On va se faire la 14e année. Donc, Nous, c'est en vacances. J'ai rencontré Geoffrey en vacances. Dites-moi ce que vous avez ressenti, parce que le 15, c'est bien, mais... En fait, donc, on s'était vus d'abord une année avant, et il ne s'était rien passé, vraiment, on avait lié d'amitié plutôt. Mmh. Et l'année d'après, on s'est revus, et là, ça s'enchaînait. Donc les débuts sont toujours fantastiques, hein. Oui. Mais ils sont importants pour la suite. Quelle étape difficile vous traversez aujourd'hui, vous? Aujourd'hui, si je suis là, notamment, c'est on attend le premier enfant, en fait. Donc étape numéro 2, quoi. La peur, enfin, notamment pour moi, c'est plus moi qui ai peur, plus qu'elle. Donc, Alors parfois, quand bébé arrive, papa panique. Parfois, maman panique, mais beaucoup plus fréquemment, papa panique. Vincent est ici ce soir parce que sa femme, Hélène, a été retenue chez vous. Est-ce qu'on a Hélène en ligne avec nous? Bon, bref. Dans quelques jours, peut-être dans quelques heures. Enfin, elle est enceinte de plus de 8 mois. Oui, largement. Ouais. Largement. vous allez vivre donc cet événement unique et exceptionnel qui est l'arrivée d'un enfant, particulièrement le premier enfant. On ne sait pas comment ça se passe tant qu'on ne l'a pas vécu, même si on l'a vu ailleurs. Vous allez devenir papa. Et ça vous panique. Donc pour l'instant, il cache un peu sa joie. Il y a des peurs qui l'envahissent, à tel point que c'est sa femme qui, pourtant, en train de quasiment accoucher, est obligée de vous remonter le moral et vous dire « mais tu vas voir, ça va aller ». Je vous propose de regarder ce reportage avant de parler avec votre femme au téléphone, qui, j'espère, nous entend bien, nous entendre. Cette émission est pour vous, bonsoir. Le reportage de Karine Sastre et de David Perechensky qui sont venus donc à votre rencontre, là où vous habitez, à Joigny, c'est dans Lyon, évidemment. Oui. Hélène est enceinte de 8 mois et demi. Depuis le début de sa grossesse, Vincent, son compagnon, fait un blocage. À 15 jours de l'accouchement, c'est la première fois qu'il l'accompagne à la maternité. La chance que j'ai d'être là, j'ai déjà des frissons.
Et la tremblote. Comment allez-vous, madame? Très bien, vous? Ça va bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, ben, je suis content de vous voir. Bah, moi pas. Mais il était temps. Vous allez aller vous mettre là-bas. Ah, d'accord. Dans la fenêtre. Non, pour regarder sur l'écran. C'est là où vous verrez le mieux. Alors, on va jeter un petit coup d'œil pour voir un peu ce que ça donne. Écoutez, voilà, donc c'est la première fois finalement que vous la voyez à l'écran. Ah ouais, ouais. Vous ne l'aviez pas vue encore en live, hein? Ah non, j'avais vu les photos, mais pas... Ah ben voilà. J'hallucine, c'est... On voit le cœur, on va vous faire écouter un petit peu ça. Oh, la vache. Il se porte très bien. En général, les couples comme ça, ils viennent en majorité, les papas viennent. De plus en plus. Il n'y a pas de gens comme moi qui ont peur comme si, ça. Si, mais il y a quand même beaucoup de papas qui s'impliquent dès le début de la grossesse. D'accord. Mais c'est vrai que je suis pas bien. Je préfère être à la maison, c'est certain. Hélène essaie de ne pas se laisser abattre par l'attitude de son compagnon. De retour à la maison, elle prépare son sac pour la clinique, seule. Vincent, lui, est en plein doute. Il a peur que la naissance de leur fille bouleverse sa vie de couple. Bah après la naissance de la petite, ça sera complètement différent, je pense. Avant, on avait l'habitude avec Hélène de sortir. On allait au restaurant, on sortait voir les amis. J'ai peur que ça déstabilise un petit peu notre couple, parce qu'elle va s'en occuper à 100%. Il est perdu. Tout ce qui touche à cette naissance l'angoisse, à commencer par le corps de sa femme. Depuis des mois, il fait chambre à part. Prendre la couette. Ça te dérange pas que je dorme là? Ben non, ça me dérange pas, mais... Je te demande à chaque non, fois. Ça mais... me dérange pas, mais j'aimerais bien que tu... Hein? Tu m'expliques un petit peu pourquoi quand même, non? Parce que c'est pas... Non, tu veux pas t'asseoir là et puis qu'on discute un peu? Parce que je le vois bien que t'es inquiet. Par rapport à mon angoisse, toi tu risques de plus être à la papille, enfin, je sais pas comment dire. Bébé. C'est pas la fin du monde non plus. Oui, tu seras toujours plus près d'elle et moi je serai un peu à l'écart. Que tu dormes là-bas, bon, je dirais pas que ça me fait plaisir. Mais moi, je veux que tu... Enfin, pour moi, c'est normal qu'après, que notre intimité revienne pareil. On verra bien ce qui se passe. Mais je suis toujours dans l'incertitude. En fait, ce genre-là, c'est à partir du moment où ma compagne était enceinte, la transformation de son corps, ça a fait en sorte que j'avais plus ma place, à mon avis, dans le lit. J'espère vraiment qu'une fois que j'aurai accouché, après l'accouchement, il retrouvera sa place dans notre lit, donc auprès de moi, et puis qu'il se sentira bien, parce que bah, c'est sa place, tout simplement. L'accouchement est imminent. Hélène a encore l'espoir de partager les derniers moments de sa grossesse avec celui qu'elle aime. Tu trouves pas qu'il a changé mon ventre, là ? Non, pas spécialement. Tu veux pas mettre ta main dessus? Visuellement, ça me fait peur. Visuellement, ça te fait peur? Ah, mais qu'est-ce qui te fait peur dans le visuellement? Exactement, ça va exploser, le machin. Que le ventre va exploser? Non, enfin, essaye de comprendre que, pour l'instant, je suis pas prêt à... C'est juste que je voudrais que tu partages, tu vois, ce que je ressens. Je le mais sens. Mais c'est ton ventre, c'est pas le mien. Voilà. Ça me suffit pour l'instant. Ça te suffit? Très non, bien. Mais moi, c'est que tu... C'est vivant, c'est très bien. Hélène est décontenancée par l'attitude de Vincent. Elle ne sait plus comment se rassurer sur l'avenir de son couple. Il n'y a pas de raison qu'à trois, ça ne fonctionne pas. La petite va prendre de la place, c'est sûr. Mais lui, il a sa place et elle a tellement été désirée qu'il n'y a pas de raison. Ça va marcher, il n'y a pas de raison. Hélène est avec nous ce soir. Merci. Sans les encouragements du public qui arrive jusqu'à Joigny dans l'Aisne, dans Lyon. Oui. Vous êtes là, Hélène? Oui, je suis là. Ouais. Quand vous dites ça va marcher, c'est quoi? C'est la méthode Coué? Ah non, pas du tout, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Le médecin a l'air de découvrir votre conjoint, Vincent, quand il le voit oui, là. Oui, c'était la première fois qu'il venait en fait faire une échographie.
il suivait, si vous voulez, il venait pas avec moi aux échographies parce que c'est quelque chose qui fait un peu peur. Mais par contre, dès que je rentrais, il... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, j'ai peur de... Déjà, j'ai peur de l'hôpital. Non, franchement... Mais c'est autre chose, là, c'est la vie, quoi. C'est pas l'hôpital. Ah oui, non, mais oui, c'est impressionnant. Moi. Non, vous avez peur de votre bébé, vous avez peur de l'arrivée du bébé ? Ah oui, bah oui. Enfin, non, pas peur, je suis très content, heureux, mais je n'arrive pas à comprendre, enfin, j'arrive pas à le visualiser, enfin, à la visualiser, pardon. C'est une petite fille. Oui, ouais. Mais quand je vois le ventre à l'échographie, j'ai halluciné, c'est pas possible de voir le petit cœur qui bat comme ça. Vous étiez les choux, les roses, les cigognes ou quoi ? Non, sérieusement, Vincent, c'est vous qui avez répondu à l'appel à témoins. Non, bien sûr. C'est vous ? Non, mais bien sûr, c'est pas évident, il y a peu d'hommes qui répondent. Bah, c'est justement, pourquoi vous avez répondu ? Pas justement, parce que je n'arrivais pas trop à en parler avec Hélène, de peur justement de ne pas avoir de réponse à mes questions. Je me suis dit, autant venir à l'émission et puis en parler avec des gens qui savent déjà, et puis, qui ont vécu ça. Et, c'est moi, je suis complètement dans l'expectative. C'est, Là, vous me dites... Ah, mais peut-être, ouais, mais... J'espère. Pour un homme, de voir le corps de sa femme changer. Ouais, ah, vous me faites penser c'est à la réaction de mon mari. Non, parce pas horrible. Si, vous avez dit horrible. Oui, non, mais... Non, mais c'est vrai que attendez, moi, je dis horrible parfois aussi. Non, mais c'est ce que ça veut dire horrible. Lève son ventre pour... pardon, pour se masser le ventre, moi, je peux pas voir ça. Mais qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là ? Ça fait alien, ça fait... Mais vous avez, alien, vous en êtes un autre, hein, si je me rappelle. Jean-Luc et Joël, vous avez connu un moment compliqué ? Non, je crois que... Sur le premier bébé ? Non, c'est quand le bébé est né. Mais pendant la grossesse, c'était un moment merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé quand le bébé est né ? Eh bien, de deux, on passe à trois. Hein. Il faut que tout le monde reprenne sa place. Et puis, je pense que quand un bébé est né, la femme, on est mère avant d'être épouse. Et c'est pas évident. Donc, c'est votre comportement ? Eh ben, qui a changé ? Oui. 1 plus 1 égale 3, ça, il faut bien se mettre dans la tête. Oui, oui. Et quand le bébé arrive, eh ben, on est maman avant d'être... Enfin, moi, je me sentais plus maman qu'épouse, ça, c'est sûr. Vous sentiez que ça allait être comme ça pendant votre grossesse ou, non. Ça s'est imposé non, de soi-même ? Non, c'est pas un truc qu'on pense. C'est ça qui vous fait peur, Vincent ? Vous avez pas peur ? Je vous laisse de côté ou... Deux. Parce que vous parlez de l'hôpital, vous parlez d'alien, vous parlez du corps qui se déforme. Mais ça va changer, le bébé va arriver. Comment ça se passe, Hélène ? Vous en êtes où, là, actuellement ? Là, j'en suis à quelques jours du, du coup, comme on dit. Vous avez des contractions ? C'est ce qu'on appelle le faux travail, ouais, mais ça sert bien. Ouais. Parce que j'ai le SAMU sur la 2, hein. vous inquiétez pas. On était avec vous. Et enfin, merci. Pour moi. C'est... Il prendra un SAMU pour moi aussi, alors... Mais à ce point-là, mais vous vous rendez compte, c'est le monde à l'envers quand même. Il faut soutenir sa femme dans ces moments-là. Ah oui, non, normalement. Mais normalement. Le fait, mais j'étais bien, je sais bien. Je fais pas exprès. C'est... Vous allez assister à l'accouchement ? Ah non. Hélène, ça va vous manquer ? Si elle pouvait accoucher ce soir. Pardon, si elle pouvait accoucher ce soir pendant que vous êtes à Paris ? J'aurais une excuse comme ça. Pour... Non, mais là, il a. Non, c'est pas méchant. Parce que il exagère, mais de toute façon, moi, je souhaitais pas vraiment non plus qu'il soit dans la salle parce que je suis pas bien sûre d'être à l'aise qu'il voie tout ça, en fait, mais. Mais il est présent, il est pas présent, comme tout le monde s'imagine, c'est-à-dire le papa qui pose ses mains sur le ventre, qui s'excite. Ça, il le fait temps. Pas, ça ? Ah, jamais. Non. Si, il le fait de temps en temps. Il dit que non, temps. Alors... Non, mais je touche pour faire plaisir. Voilà. Votre sincérité vous honore, parce que je ne vous ai pas le seul père à être comme ça, hein, je vous dis franchement. Donc vous vous dites, quand il aura le bébé dans les bras, ça va tout changer. Oui. Vous disiez que vis-à-vis de Jean-Luc, ça a été le contraire. Vous êtes devenue tellement mère que vous en avez oublié d'être femme. Et si on regarde des images, Hélène, on va les regarder à nouveau du reportage, on va voir que vous avez beau dire, oh, il exagère, etc. Vous n'avez pas l'air tranquille quand même, hein ? Moi ? Ah oui ? Bah, parce qu'en fait, je m'inquiète pour lui. Parce que moi, je suis tout à fait certaine qu'une fois qu'il aura sa puce en vrai... Tout ira bien parce que j'imagine que nous les femmes on vit tout ça de l'intérieur donc c'est vrai que on la sent bouger, on vit tout mais c'est vrai que à côté ça doit pas être évident donc une fois que le bébé est là c'est concret donc je pense qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire. Et vous pensez que... comment vous avez, Vincent vous estimez la naissance après la naissance comment vous voyez? Bah, c'est un peu ça qui me fait peur mais Jean-Luc, vous êtes senti comment à ce moment-là? Moi, j'espère le faire le mieux. Enfin, je le ferai le mieux possible, quoi qu'il arrive. Mais il faut que je remonte cette peur de. Je vous dis, quand je vois un enfant tout petit, je peux pas le prendre dans mes bras. J'ai pas lui faire mal. Je trouve ça trop fragile. Et, alors, maintenant, c'est le mien. C'est le sien. C'est ouais, mais voilà. Attendez, Jean-Luc.
Ce n'est pas des craintes qui sont totalement injustifiées parfois. Comment vous avez vécu, vous, l'arrivée du bébé après? Oh bah, très bien, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais votre femme qui disait vous, qu'elle était devenue mère... Je découvre aujourd'hui. Vous ne saviez pas? Ben non, beaucoup de choses que je découvre aujourd'hui. Ah oui, quand Hélène, les femmes, on le vit de l'intérieur, mais ça peut durer longtemps. Ouais. Il a rien vu? Non, parce que je fais partie d'une famille où on parlait très peu. Donc la communication n'existait pas. J'y ai vécu de l'intérieur, toute seule, comme une grande. Et je me suis fait violence toute seule. Pour? Eh bien, pour me dire que j'étais mère, c'est un fait, mais que j'étais femme aussi. Et que si je ne voulais pas perdre mon mari, il fallait que je fasse des efforts. Et je les ai faits. D'accord. Et vous avez parlé? Vous avez gardé le contact? Oui, mais... Hélène? Oui. Ouais. Comment vous allez faire pour... quelle est votre technique, là, ce que vous avez imaginé? Les femmes réfléchissent beaucoup. Une technique, je ne sais pas trop, mais puisque c'est ce que je disais un peu dans le reportage, on s'aime, on l'a voulu vraiment beaucoup parce qu'elle a mis un petit peu de temps à arriver, cette poupette. Donc, il n'y a pas de raison de... Rester femme tout en restant mère, c'est... C'est important. Enfin, pour moi, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être que maman. Donc, Étape 2. Alors, comment vous allez faire pour rester femme tout en étant mère? Prendre sur vous, quoi. Comme disait Joël. Eh bien, on va retrouver une intimité normale, on va dire. Parce que comme vous avez vu dans le reportage, on ne dort plus tous les deux. Ce que je peux comprendre parce que... C'est vrai que physiquement, j'ai plus beaucoup l'allure de la jeune fille du départ. Mais c'est vrai que c'est dur aussi à expliquer parce que pour moi, c'est tellement simple et que ça va redevenir normal que... Mais Vincent est en panique depuis le premier jour? Depuis que vous avez parlé d'avoir un enfant? Non, pas du tout. C'est monté quand? À partir de... dès que j'ai vu le ventre, Non mais c'est arrivé très rapidement, comme elle est très fine, ça a pris vraiment... Mais qu'est-ce qui vous fait peur pour après? Parce qu'après, hop! Ouais, non mais attends, mais physiquement... Qu'est-ce que vous craignez pour l'après? Ah non, au niveau physique, je m'en fiche littéralement. Alors, vous craignez quoi pour l'après? Ça change quoi? Tout, vous nous avez dit que ça change. Oui, je ne sais pas comment réagir en tant que père. Alors, on est en train de parler du truc le plus naturel du monde, hein, mais en même temps, le plus compliqué. Qu'est-ce que vous dites, Marie-Claude? Je dis en même temps, c'est sain, cette peur, mais je pense que vous allez la dépasser, parce que c'est tellement extraordinaire de tenir un enfant dans ses bras que... Je crois que c'est... Ouais, mais j'imagine. C'est une réaction un peu... Non, mais les vœux pieux, les bons étrange, sentiments, on espère tous que ça va se passer comme ça. Mais Vincent est entré en contact avec nous. Je vous jure, c'est rare que les hommes répondent aux appels à témoignages, les femmes très souvent, les hommes beaucoup moins. Et lui, il a carrément peur que ça foute en l'air sa vie amoureuse. Vous nous l'avez dit comme ça, Vincent. Je veux dire, on n'est pas en train de se dire oulala, oulala, oulala. Il est en train de se dire plus de sortie, plus de vie, plus de vie de couple. Ça dépend aussi de moi, de ma réaction après. Parce que Hélène, je sais qu'elle elle est en contact tout le temps avec les enfants de bas âge, elle est à l'aise avec eux. Moi, j'ai pas envie d'être un boulet derrière, en ne sachant pas quoi faire. Si c'est elle qui s'occupe de tout, j'ai un rôle aussi à jouer. Donc c'est aussi à moi de faire des efforts. Donc vous êtes là pour essayer de vous bouger, pour préparer ce rôle. Mais de votre vie à deux, qu'est-ce que vous en espérez? Parce qu'Hélène, elle va se bagarrer pour que vous restiez tous les deux. Vous imaginez quoi? Les sorties? Ah bah après, ça sera niette. Ça sera une fois de temps en temps, si les parents veulent bien le garder, etc. Mais on va pas faire ça. Mais tête à tête, les sorties en amoureux, tout ça? Non, je ne sais pas trop comment ça se passe. Vous comptez vous lever la nuit pour l'aider ou pas? Tous les modèles, qu'est-ce que vous imaginez? Il faudra qu'il m'explique déjà comment ça fonctionne, comment... on change un enfant, tout je ça vous honore. Gilles-Marie Vallet, où est-ce que vous êtes installé, Gilles-Marie? Je ne sais pas, vous êtes là, oui. Gilles-Marie Vallet, qui est déjà venu ici, formidable pédopsychiatre. En quelques mots, pourquoi la naissance d'un enfant, ça peut perturber un papa à ce moment-là? Parce que pour une maman aussi, c'est la première fois. Bien sûr, mais il peut y avoir plusieurs choses. La première, assez commune, c'est cette transformation progressive qui s'opère. Le corps dont parlait Vincent. Le corps, effectivement, de la femme qui se transforme, alors que l'homme, lui, reste le même. Et du coup, la femme a le temps de se sentir devenir mère, ce qui n'est pas toujours le cas du mari, du conjoint. Donc ça, c'est la première inquiétude. Après, j'ai l'impression qu'il y a d'autres inquiétudes plus profondes qui sont
paradoxalement des inquiétudes qui entourent la mort. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, ah oui, c'est que la vie, parce que c'est la vie, bien voilà, sûr. La vie peut réveiller des inquiétudes de mort qui sont liées à l'histoire propre de chacun. Et peut-être que ça pourrait être intéressant d'y réfléchir justement pour dépasser ça. Après, un troisième faisceau facteur d'inquiétude, c'est bien sûr l'après. Comment va se passer cette vie après, puisque le couple que l'on connaît va se transformer en famille. De deux, on passe à trois. Alors, on va enchaîner, Gilles-Marie, avec la troisième étape des sept dont on a parlé, à savoir la menace du ronron, de la routine. On va voir ça avec vous, Stéphanie. Les deux premières années de votre relation ont été géniales. Frédéric Becbédé, qui est un écrivain brillant, dit que l'amour ne dure que 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la passion, même les chimistes disent souvent que les oxytocines, c'est ça, je crois, qui font en sorte qu'on est programmé pour au moins rester 3 ans ensemble, ne serait-ce que pour que l'enfant puisse se débrouiller, parce qu'à 3 ans, il est censé se débrouiller dans la jungle. Mowgli. Tout ça, ça remonte des cavernes, mais on est encore des victimes, victimes tributaires de ça aujourd'hui. Au bout de 2 années, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, on a eu une histoire qui est allée très vite, en fait. Quand on s'est mis ensemble, on se mariait. Juste après, il y avait le premier bébé, le deuxième qui s'est enchaîné. C'est allé très vite, mais c'est sûr que les deux premières années, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, finalement, que les deux premières années, on les vit intensément et différemment. Et ensuite, vous avez l'impression de moins l'aimer? Pardon, vous voulez dire quelque chose à Vincent? Non, je voulais dire qu'en fait, je pense qu'il est réaliste. C'est rare qu'en fait, on s'en rende compte avant d'avoir les enfants. Et c'est vrai que quand on les a, ça change la vie, je veux dire. Et c'est vrai que bon, il est réaliste, mais en même temps, il ne faut pas non plus... Oui, j'en fais peut-être... Voilà. Je me pose. Il est réaliste, il n'est pas dans le fantasme, vous dites. Il n'est pas dans l'imaginaire. Bon, il y a quelques trucs qui sont excessifs. Excessifs. Mais le fait de se dire, bon, bah, après, il y aura moins de sorties, il y aura... C'est vrai, c'est sûr. Moins de désir? Oh, oui, je pense. Oui. C'est vrai? Je pense, oui. Moins de complicité directe? Bah, disons qu'après, on se focalise plus sur l'enfant que sur notre couple. Et c'est vrai que même nous, dans notre histoire avec Geoffrey, c'est ce qui nous a un peu... Joël, il y a eu beaucoup moins de désir, vous nous l'avez dit en préparant cette émission. C'est exact. Après la naissance du... Après la naissance du bébé, oui. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Et ben parce que j'étais mère et on ne pense pas qu'on est mère et qu'on est femme aussi. Et on met un peu entre parenthèses la vie de couple. Mais c'est dur à gérer, je veux dire aussi. Voilà, c'est très dur. On peut pas tout faire non plus. Et on nous demande d'être tout à la fois. On nous demande beaucoup peut-être. Nous, la société, nous en particulier. Vous, non, nous, enfin pas moi, enfin nous les hommes. La société, nous les gens. Oui. C'est pour ça qu'il faut intégrer le père immédiatement. Ouais. Mais même le père intégré. Ah mais si. Moi je sais qu'il avait peur quand Aurore est née et quand je suis rentrée à la maison, le premier bain de ma fille, il m'a dit je ne saurais jamais le faire et j'ai tout préparé, je les ai enfermés tous les deux dans la salle de bain et je lui ai dit débrouille-toi. Ah mais forcer, c'est pas... Forcer quelqu'un, c'est pas une solution. Vous êtes en train de parler à Hélène en disant ça, là. Il l'a fait. Ah, mais elle le fait très bien. Et depuis, je vous assure qu'il s'est très bien occupé de sa fille. Je me forcerai, mais pas... Alors, mettons qu'Hélène, par exemple, Hélène, je vous le souhaite pas, mais une petite bronchite. Enfin, qu'elle soit tenue au lit, 42 fièvres, etc. Il faut bien s'en occuper du bébé. Ah, bah, évidemment. Mais ça viendra naturellement. Mais ça, vous serez forcé par les événements. Mais il faut le faire dès le départ. Oui, mais ça ne sera pas forcé d'elle, de son comportement. Non, c'est parce que si c'est forcé d'elle, ça n'ira pas. Bah non, je le ferai. Réellement. Mais vous n'avez pas envie qu'elle vous force. J'espère le faire bien. Mais si la vie vous force, vous... Bien évidemment. Ce sera naturel, je pense. J'ai eu aussi. Hein. Voilà, crainte qu'il avait, je les avais, parce qu'on n'a pas les outils, on ne sait pas faire. Voilà. On devient père, on n'est pas père le jour où l'enfant est né. On devient père au fil du temps. Mais elles ont les outils? Elles ont déjà 9 mois d'avance. Non, mais nous, on le voit. Elles ont 9 mois d'avance. Elles n'ont pas changé les couches pendant 9 mois non plus. Moi, je pense que quand l'enfant va naître et qu'on va lui mettre dans les bras... son seul moyen d'expression, c'est le cri. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? La panique totale. Je crie avec elle. Non, mais voilà, quoi, je crie autant. Hein. Alors, moi, je pense, personnellement, qu'elle devrait, elle devrait te faire participer Hélène, au fil du temps à surmonter tes craintes pour arriver à être autonome après avec ton enfant. Je pense. Ah non, ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, je crois qu'il faut quand même dire une chose importante, c'est que même la vérité, en tout cas. D'accord. Même si on intègre le père pendant la grossesse, c'est quand même une relation privilégiée qu'on a avec l'enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec le papa. Même s'il participe, il participe à côté, je crois, qu'on le veuille. Vous apprenez des trucs ce soir? Oui. Je vais dire un truc, moi aussi. Et quand le bébé est né, bon, après, t'as pas eu de soucis. Les biberons, les couches, tout ça, c'est pas un truc qu'il a... Mais vous saviez que votre femme était en panne de désir vis-à-vis de vous à ce moment-là? Non. Il l'a jamais su, je l'ai toujours caché.
je me Mais suis vous l'avez dit avant de venir ici? Oui. Ah. Enfin, un petit peu. Le désir amoureux, vous n'aviez plus du tout envie. Alors vous étiez. Non. J'avoue que j'ai passé une période où, franchement, non. Même le fait qu'il me touche me gênait. Vous gênait? Oui. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie d'être femme. J'étais maman, j'avais un bébé. C'était lui, c'était une relation particulière, peut-être. Mais vous faisiez l'amour quand même avec lui? Oui. En disant, hein, la reine Victoria disait, ferme les yeux et pense en Angleterre, mais comment faisiez-vous? Je ne m'appelle pas Victoria, déjà, donc c'est bon. Non, ben, vous faisiez en disant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je participais, mais c'est vrai que ça m'était très dur. Quand ah ben, vaut mieux quand on fait l'amour qu'il y en ait que participer à un minuit. Mais ce qu'il y a de sûr, vous étiez là, hein, sinon ça s'appelle ça. Ce que je rassure, c'est que c'est comme le forgeron, à force de faire, ça revient. Je rassure. Ça fait envie, dit comme ça. Je dis franchement, bam, bam, bam. Non, mais ce que je veux dire, c'est en pratique. Non, mais Jean-Luc, vous en êtes rendu compte que votre femme y allait en disant, allez, waouh, comme le forgeron, allez, moi, allez, waouh. Le maréchal Ferrand. Non, mais vous inquiétez pas, après vous tout. Vous en êtes rendu compte? Ça fait mal, le forgeron. Tout reprend. Vous en êtes rendu compte, Jean-Luc? Non, bon. Parce que vous avez dit avant, c'était au top. Tout le... Oui. Et après, vous n'êtes pas rendu compte. Pour vous, c'était toujours au top? Ouais. Ça pose question, ça. Ouais. On va y réfléchir en rentrant. Ça pose question, ça. Est-ce qu'il y a une autre femme qui avait dit quelque chose ce soir, qu'elle se lève ou qu'elle se taise à jamais? Non, ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse? Oui. En fait, Michel, pendant mes grossesses, a eu une réaction un petit peu de... Pas de rejet, mais bon, il n'y avait pas trop de contact physique parce que, pareil, le corps de la femme se transforme. Je me trouve bien en toi, dans le sens où t'as pas envie de toucher, c'est sacré, quoi. Je veux dire, elle est en train de faire un enfant. Tu touches pas. C'est une excuse, mais je fais souvent des cauchemars. J'ai des mouvements brusques dans la nuit. Je me lève en criant ou je tape. Regarde, si je tape le bébé, ça fait quoi Non, mais comment ça se passe, comment ça se passe depuis que là, il y a un moment, 3, 4, 5 mois, 6 mois où... Ah, t'as pris de la place en plus. Non, non, d'accord. En termes d'attirance, de désir, vous en avez... Non, bah non, c'est clair, ça va, non, ça fait un bout de temps, mais... C'est quoi un bout de temps? 4, 5 mois, 6 mois, c'est pas... Comment vous faites, Hélène, vis-à-vis de ça? Comment vous vivez? Non, mais ça fait quand même pas 4, 5 mois, faut pas l'enlever. Non, allez, la vérité sort de la bouche des messieurs ce soir. Ah oui, je vois ça. Non, moi, je dirais bien... Oui, allez, si, c'est vrai, il a raison, 4 mois, mais c'est aussi, moi, je l'avoue, hein, j'ai pas forcément, pas vraiment l'envie, c'est, on est KO, déjà, et puis, bah, physiquement, non, mais... ça suit pas vraiment physiquement, donc, c'est pas... bah, on le vit pas si mal que ça, parce que c'est, après, pour... Comme pour moi, ça va revenir après, c'est pas un souci. Vous en êtes sûr? Ah oui. Joël? Si, ça revient. Non, non, mais ça a mis du temps, quoi. Un petit peu. Enfin, ça n'a pas mis des années. Non, non, mais je veux dire, par là, ça a été même compliqué. Vous êtes forcé pendant longtemps. Oui. C'est-à-dire que c'est parvenu quelques automatiquement, mois. Comme le vélo. Quelques mois. Que nous, la naissance des enfants, ça a boosté, en fait. Ça a boosté, oui. Mais moi, c'est qui me fait peur. C'est que j'ai peur que ce soit moi qui ai plus envie. Enfin, non, j'espère que ça va revenir, mais... Moi, pour l'instant, je suis bien. Vous n'avez pas qu'elle ait changé de statut à tel point que ce ne soit plus quelqu'un qui soit sujet de désir pour vous? Ouais, voilà, que ce soit une mère, et plus spécialement... Et plus. Personnellement, Stéphanie. Moi, ça m'a jamais dérangé de ne pas le faire spécialement. L'expérience de Stéphanie à ce sujet. Vous êtes venu pour écouter des gens, vous avez répondu à l'appel à témoignage. Bien sûr. Ça, je peux dire que pour ça, vous êtes sévèrement courageux. Alors, j'allais dire qu'autre chose. Stéphanie, votre mari Geoffrey regarde l'émission depuis les coulisses. Je ne sais pas si on voit Geoffrey, il est là. Salut Geoffrey. Ah, vous n'êtes pas loin, alors, vous êtes où? Vous êtes juste là, d'accord. Geoffrey est en coulisses. Je crois que c'est vous qui l'avez demandé. Non. Ah non, je sais plus qui c'est là. Bon, on vous expliquera après. Vous n'avez pas le même point de vue, en tout cas, sur l'état de santé de votre couple entre vous et Geoffrey. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était mieux de vous écouter séparément. On va l'écouter aussi, lui, après avoir regardé ce reportage que nous vous avons consacré pour comprendre exactement cette situation, comment vous la vivez. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et depuis? On est mariés depuis 3 ans et demi. Voilà. Et depuis combien de temps? C'est... Ah bah, je pense que l'arrivée des enfants y est pour beaucoup. Enfin, ça nous a chamboulé. Donc ça compte. Oui. Donc vous diriez aussi que cet homme est lucide? Ah oui. Je le comprends. Depuis 2 ans, c'est compliqué. C'est ronron, parfois même c'est un peu patatras. Regardez ce reportage qu'on a tourné chez vous, dans le Puy-de-Dôme, à Volvic. Non, c'est pas un mot interdit, excusez-moi, ça s'appelle Volvic. Corinne Biès et Saran Larrazabal sont venus à votre rencontre. C'est bien passé? Très bien. Regardons le résultat. Coucou. Salut. Ça va, ça a été? Formidable, écoute. Et toi? Ouais, ça a été. Les enfants, ils ont été sages? Ouais, ils ont chouiné, mais... Ouais. Ça va. Je vais aller poser mes affaires. Ouais.
Entre Stéphanie et Geoffrey, ce n'est plus comme avant. La passion du début a laissé place à la routine. Stéphanie est déçue. Jamais elle n'aurait pu imaginer que le quotidien les éloignerait. C'est toujours la même chose, le même quotidien. Habiller les enfants, faire le ménage, faire à manger. Je voyais la vie de couple quand même plus romantique, oui c'est le mot je crois. Ça fait réfléchir tout ça. Ils passent de moins en moins de temps ensemble, même quand ils sont tous les deux à la maison, chacun va qu'à ses occupations. De se retrouver tous les deux, oui, c'est assez rare quand même. On l'arrête ? Oui ? Depuis qu'on a les enfants, c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir prendre du temps pour notre couple en fait. Au début, on se consacrait beaucoup l'un à l'autre et beaucoup plus d'attention, ne serait-ce qu'un petit mot le matin en partant travailler. C'est vrai que ça, maintenant, on ne le fait plus. C'est vrai qu'on se rend compte que maintenant, on s'oublie par rapport à avant, où on était vraiment tout l'un pour l'autre. Je pense qu'on n'a pas vraiment la même vision du couple. Pour moi, c'est l'évolution normale d'un couple. J'aimerais qu'elle le comprenne comme ça. Stéphanie et Geoffrey s'éloignent progressivement. Quand ils se retrouvent le soir, ils ont du mal à communiquer. Cette distance ne fait que s'accentuer. On fait un peu de la colocation, j'ai l'impression. On se croise, ça va, on parle de notre journée, bien sûr. On parle des enfants, et beaucoup des enfants, et surtout des enfants. Et de nous, beaucoup moins. On travaille, on rentre à sa maison. Pour moi, on fait toujours la même chose, donc c'est toujours une même routine. J'évite d'y penser, sinon on peut plus vivre. Quoi. Pour Stéphanie, cette monotonie est préoccupante. Je me dis, au bout de 5 ans de relation, on est vraiment tombé dans une routine qui s'est installée. Et je me dis, dans 10 ans, comment ça va revenir ? Je me pose beaucoup de questions. Ce qui a déclenché les doutes de Stéphanie, c'est l'achat de cette maison. Le couple a dû prendre un crédit sur 25 ans. Cet engagement à si long terme lui a fait peur. Elle ne sait toujours pas si elle a bien fait de se lancer. On pourra mettre l'escalier ici, là, ouais. Qui montrera l'étage avec les chambres et la salle de bain. Le poteau, il sera situé où exactement ? Je sais pas, faudra voir, mais au milieu, ce serait bien pour séparer la pièce. Ouais, par là, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Là, ce sera un plancher en béton. Ouais, ce sera bien comme ça. Mmh. Ça te fait pas peur, là, de te dire, et si dans 10 ans, ça va plus ? Parce qu'au bout de 5 ans, déjà, on est un peu dans la routine. Je veux dire, c'est sûr, on s'engage, mais... Ça fait réfléchir, c'est un gros investissement. C'est un investissement, mais si tu penses après tout de suite à la séparation ou autre chose, tu fais plus rien. Et puis on s'engage sur du long terme, là. Ouais. Enfin, tu comprends que ça me fait douter un petit peu, quoi. Les amis de Stéphanie sont à mille lieues d'imaginer ce qui se passe dans son couple. Mais elle n'arrive plus à garder ça pour elle. C'est vrai qu'on a tout mis en doute. On a parlé séparation, enfin c'était... C'est parce qu'en fait on n'ose le dire à personne, parce qu'on a l'impression que... Avec toi. Voilà, que personne ne va comprendre et qu'on est... Si on va parler de séparation, tu penses tout de suite aux enfants. Moi ça me surprend en fait, parce que je pensais pas, enfin quand on vous voit on a l'impression que tout va bien quoi. T'imagines, en 5 ans on a presque tout fait, dans un vie d'un couple on s'est marié, on a eu des enfants, bah, à la maison on est en train, on va faire rénover. Donc tu te dis, après qu'est-ce qu'on va faire quoi. On va se retrouver là tous les deux. Toi tu te dis, il y aura plus de projet, donc du coup tu te bases sur quoi après pour faire tenir. Attendez. Comment ? Ouais, vous disiez, on a l'impression dans ce reportage, et c'est assez étonnant, que les autres ne peuvent pas comprendre que finalement c'est pénible. C'est ce que je me disais moi, du fait qu'on a toujours une image d'un couple qui va bien. Et on donne le change ou les autres aiment bien aussi penser que ça va bien hein. Je pense que c'est surtout qu'on donne le change. On n'a pas envie de montrer que on a des failles, que ça ne va pas toujours. Pourquoi vous avez voulu en parler aujourd'hui, ici et maintenant, de l'étape de la routine ? Parce que ça va quand même déjà mieux, je dirais. Donc, pour montrer à tous les autres couples, parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans cette situation et qui se voient la face et que finalement, on avance et puis qu'on va s'en sortir.
Mais se voiler la face ne suffit pas. Il faut faire front pour avoir une chance d'avancer, c'est ça? Ah oui. Ouais. Hélène, vous êtes avec nous? Oui, toujours. Oui. Il est courageux quand même, hein, votre Vincent, oui. De venir faire face comme ça. Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui oseraient dire tout ce qu'il ose dire. C'est un homme sensible. Et puis un homme qui marche par rapport à celui qui reste assis en regardant passer les événements, c'est plus compliqué. Geoffroy va nous rejoindre. Geoffroy, venez nous rejoindre. Il peut Geoffroy, alors. Venez, Geoffroy. Venez. Ça va, vous allez bien? Écoutez-vous là. Vous l'avez senti, la routine, vous? Oui, je l'ai senti, ouais. Oui. En gros, je vais vous dire pourquoi. Enfin, en préparant cette émission, je ne sais pas si vous avez l'impression de l'avoir dit comme ça, mais mon équipe m'a dit, en fait, c'était plus facile pour vous d'en parler quand Geoffroy n'était pas là. Oui, bah, pourquoi? C'est toujours... Je ne sais pas. C'est, si, on en parle tous les deux. Je veux dire, ce n'est pas que ça me dérange d'en parler devant lui, mais c'est vrai que j'en parle plus ouvertement, peut-être, quand il n'est pas là. La première fois que votre femme a osé briser le silence pour vous parler de routine, c'est... Hey, c'est pas un sujet facile, hein. Sans rire, chérie, je m'ennuie, quoi. Enfin, en gros, chérie, on s'ennuie. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est... Mais on fait en sorte de s'en sortir, je veux dire. Non, attendez. D'abord, parlons vraiment des choses. Si vous voulez vraiment que oui, ça donc, porte sûr, ce que oui. vous dites, il faut parler vraiment des choses. Ouais, ça n'a pas été dit comme ça au départ, mais ça se ressent, en fait. Ça se ressent qu'elle fait tout le temps la même chose, qu'on fait tout le temps la même chose. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Elle m'a dit qu'elle aimerait plus qu'on sorte, en fait. Qu'on soit plus ensemble, qu'on soit comme au premier jour, en fait. Avant les enfants, même peut-être. Alors, vous l'avez dit, une phrase, je ne sais pas comment on peut la prendre. Vous lui avez dit, chérie, c'est normal de passer de la passion à la tendresse. Geoffroy, vous n'êtes pas sur le bord, c'est pas le bord des accusés ici, hein, vous avez compris. Ouais. Vous savez où vous êtes ici. Oui, c'est vrai. Pas de jugement, hein. N'est-ce pas? Ah non. C'est normal pour vous de passer de la passion à la tendresse? Disons que moi, j'avais trop idéalisé la vie de couple, de me dire que ce serait toujours comme au début, avec autant d'amour, et puis de toute façon, finalement, en parlant autour de moi et en voyant d'autres couples, je réalise que finalement, la routine est obligée de s'installer à un moment ou à un autre. Enfin, je veux dire, il y a les enfants qui font beaucoup. Je pense que là, Vincent, il l'a dit, et c'est vrai qu'il le ressent déjà, alors que la petite n'est pas encore là, mais c'est vrai que... Faut alors, c'est en plus, il faut anticiper la routine et commencer déjà à se mettre. Non, attendez, moi je suis pas d'accord avec vous, enfin j'espère. Non, mais la routine. Ça vaut que mon opinion. Est quand même obligatoire. Ça dépend ce qu'on appelle la routine. À quel niveau Si la routine égale l'ennui, parce qu'on n'a pas d'ennui. Non, mais voilà, non. Il n'est pas question de s'ennuyer sur Terre, non, hein, ça passe pas trop tout. Vite. Hein. Mais la routine est obligée de s'installer au niveau. Enfin, dans la vie de couple, quoi. Je veux dire, on ne vivrait pas ensemble, à la limite, bah ouais, la routine s'installe moins. On peut s'épanouir dans une vie qui est plus régulière et moins pleine d'à-coups qu'au début. Mais on peut aussi s'y ennuyer, et ça change tout. Il y a c'est plus monotone, on va dire. Ça devient plus monotone que... Et vous avez peur de vous y ennuyer, de vous y perdre? Ah bah du tout, non, pas du tout. Vous avez peur de quoi? Bah, je l'ai déjà dit, un peu de tout, mais... la routine ne me dérange pas spécialement. D'accord. Comment s'appelle... Je préfère la routine que... Marie-Pierre, comment s'appelle votre conjoint? Olivier. Olivier. Vous habitez au même endroit, vous avez le même numéro de téléphone? Oui. Comment il s'appelle? Olivier. Olivier, bonjour Olivier. Bonsoir Jean-Luc. Olivier est avec nous. Très surprise. Très surprise. Vous étiez devant l'émission ou pas, Olivier? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce dont on parle aujourd'hui, en particulier de ce que vient de dire Marie-Pierre? Je trouve que c'est bien parce que là, on met vraiment les vrais sujets sur... Hein, Jean-Luc, j'ai l'impression... Sinon, vous y allez franchement, hein, si vous avez l'impression qu'on ronronne ou qu'on s'installe dans la routine ici. Là, voilà. Alors, ce soir, on y va franchement. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Je dirais que ce qu'elle a dit depuis le début est très juste. Et que c'est vrai que depuis peu, je rejoins un peu le couple précédent au niveau de la routine parce que j'ai l'impression en fait d'y retrouver les mêmes ingrédients. Par exemple, le plus concrètement possible, on parlait le matin, vous petit déjeuner pas ensemble, vous déjeunez pas ensemble, le soir vous ne parlez pas au dîner, ce que disait votre femme, parce que devait dire votre fils de 4 ans. Oui. Et ensuite vous dormez pas ensemble et quand vous dormez ensemble, vous ne vous parlez pas suffisamment, d'après votre femme. Est-ce que vous, ça vous convient comme vie? Non, c'est sûr que je souhaiterais qu'il en soit autrement. Mais le problème un peu de la routine, c'est qu'on n'a pas toujours la force d'en parler. Et c'est un peu ça la difficulté, j'allais dire. Le matin et le soir, c'est vrai qu'on a aussi deux enfants. Donc on fait en sorte d'aller au plus vite et
de passer à côté des choses qui peuvent paraître essentielles. Vous vous rendez compte ce que vous avez dit, Olivier? Et je vous dis franchement, on est tous dans le même bain. Oui, oui. Vous dites, on fait en sorte de passer à côté des choses essentielles. Oui, enfin... Olivier? Oui. non, ce que j'essaye de dire, c'est que on le fait pas exprès, mais ça s'inscrit dans une routine et... Et il en a lui aussi, hein, d'être avec nous, Olivier. Votre femme disait que vous désapprouviez son passage dans l'émission, et même en préparant l'émission, qu'il s'en fichait, quoi. Non, pas qu'il s'en fiche, mais qu'il trouvait que c'était pas forcément une solution. Vous désapprouvez? Vous désapprouvez? En fait, je dirais que c'était pas ma solution. C'est vrai que j'ai été très surpris par le fait que Marie-Pierre veuille participer à cette émission. Elle a dit pour provoquer un électrochoc. Oui, c'est vrai, oui. Bah, je pense qu'elle a réussi. Ah bah alors. On encourage Olivier, qui est bien courageux. Vous habitez où? Vous habitez où? À côté de Lille. Et qui nous suit en direct à côté de Lille. Vous êtes dans quel coin exactement? Sizouin. Sizouin. Vous avez des voisins, etc.? Passez des coups de fil, que tout le monde vous regarde parce qu'il se passe quelque chose là ce soir. Renouez le contact. Vous aimez votre femme? Oui, je l'aime toujours, oui. Il y a la routine plaisante et la routine qui l'est moins. Et peut-être que dans la routine qui l'est moins, on dit à sa femme qu'on l'aime. Est-ce que vous lui dites? Oui, je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. C'est le direct, hein? Ah, le direct, c'est le direct. Non, c'est bien le direct. C'est vrai que je pensais aussi que le fait de prendre la parole par téléphone renverrait un peu ce message-là, du fait qu'elle participe à l'émission et que je pensais lui faire la surprise en lui téléphonant et en lui disant ces quelques mots. Je vous demande pardon, Olivier, parce qu'il y a 5 minutes, on vient de décider de vous appeler sans vous prévenir, donc... vous aviez prévu d'appeler, vous aussi? Pardon? Vous aviez prévu d'appeler? Non, j'ai pas prévu d'appeler, c'est... C'est votre équipe qui m'a été contactée, on va dire, et qui m'a proposé de le faire. Voilà, mais ça c'est dit à 5-10 minutes, quoi. Non, ça fait plus longtemps que ça. Ça fait combien de temps? Depuis 2 jours, je pense. Quoi? Ça fait 2 jours. C'était l'heure, c'est moi, voilà, j'étais vraiment pas au courant, moi, en tout cas. Bah, moi non plus. Ah bah d'accord. Ils me disent pas tout, moi, c'est normal, c'est pour que ce soit mieux. Bon bah très bien. Ça fait chaud au cœur. Allez, je vais en accueillir Sophie. On avance. Ouais, c'est bien. Bonsoir, Sophie. Vous êtes toute seule? Oui. Vous avez un conjoint quelque part? Allez-y, installez-vous. Vous avez un conjoint qui... Non. D'accord. Dans la vie? Non. D'accord. Sophie vient nous raconter son histoire. On était dans l'étape du ronron aujourd'hui. Il y a des couples qui en sortent, des couples qui n'en sortent pas. Sophie, vous avez 43 ans, divorcée, 2 enfants? Oui. Vous venez de Spa, en Belgique, on nous suit, ça dépend des chaînes des fois, mais bref, ça dépend. Notamment par France 2, mais pas seulement, AB3 ou RTBF2. Qu'est-ce qui vous déplaisait en apparence, vous, Sophie? Alors que vous aviez connu votre mari depuis fort longtemps, vous avez 2 beaux enfants, qu'est-ce qui vous ne plaisait plus dans votre vie? Ce n'était pas la personne qui me déplaisait, c'était le mode de vie qu'on menait. Qui pour moi était très très difficile parce qu'il voyageait énormément. Et donc je me retrouvais avec sur le dos le travail à temps plein, les 2 enfants, les 2 chiens, la maison, les travaux d'aménagement, la cuisine, les repas, le linge, tout. Et donc. Ça a l'air génial dit comme ça. Ouais. Non mais je veux dire, là on peut traverser une crise économique où il y a des gens qui se disent on n'arrivera pas. Oui, c'est debout. Sûr que partager ça... une aventure, c'est quand même bien. Et si on le veut, on le peut. Et la chance, ça se provoque. On en parlera dans 15 jours avec une émission exceptionnelle dans Ça se discute. Vous pouvez la regarder si vous le souhaitez, en tout cas. On peut s'ennuyer alors que tout a l'air parfait. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui. C'était le cas? Tout a l'air parfait, dit comme ça. Moi, 2 chiens, une super maison. Mais oui, évidemment que tout n'était pas noir et que beaucoup de choses étaient réussies. Le problème, c'était que moi, je devais porter tout ça et que... Il était souvent loin. Je me suis épuisée. C'est après la naissance de votre 2e enfant que vous avez fait un premier bilan et un bilan qui n'était pas... Quel bilan vous avez dressé? Ah ben, qu'il était vraiment temps qu'on soit aidé. Aidé? Oui, par un psychologue.
Pour quoi faire? Pour se rapprocher. Et voilà. Et puis finalement, ce qui nous a rapprochés, c'est de ne pas être d'accord avec la méthode du psychologue. Ah, vous avez été voir un psychologue ou thérapeute de couple ou Qu'est-ce qu'il vous a proposé comme méthode? Aucune. C'est normal de ne pas être d'accord dans ce cas-là. Hein. Voilà, et puis en fait, 10 ans ont passé. On n'était pas d'accord parce qu'il ne nous donnait pas de direction, il ne nous donnait pas de... Jusque-là, tout est normal. Vous n'avez pas baissé les bras, en tout cas, le fait de ne pas être d'accord. Enfin, en tout cas, quand on affronte quelque chose de difficile dans la vie, souvent, ça permet au couple de donner un petit déclic, parfois de se ressouder, de se provoquer. Ça va te provoquer une situation qui, en tout cas, qui peut ressouder. Et puis, il y a 3 ans, vous avez décidé de faire une fête. Pour mes 40 ans, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était une fête qui était vraiment à l'image de la vie qu'on avait à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était une belle coquille vide, quoi. Vous êtes surprenante. Oui, oui. Mais ça n'est pas lié aux personnes qui étaient invitées, qui sont des gens très chouettes, mais... C'est-à-dire, la vérité. Coquille vide. Je n'ai rien ressenti, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas joyeuse, je n'avais pas prévu de gâteau, il y avait trop de lumière et c'était très guindé et c'était pas marrant. Qu'est-ce que vous auriez voulu? À ce moment-là, je crois que je voulais plus rien à part essayer au jour le jour de m'en sortir et boucler chaque journée. Vous en sortir, ça veut dire Moi, je dégringolais, pas péter les plombs, moi. Oui, moi, je dégringolais la pente, oui. Et le jour de vos 40 ans, tous les psys disent que c'est... Enfin, les endroits comme ça marque le coup, quoi. Oui. Les naissances, les mariages, les décès, parfois les anniversaires. Là où vous avez dit, il faut que ça change? Je pense que la décision, tout ce qui n'a... Les raisons de partir et les raisons de rester étaient là depuis très longtemps. C'est clair. Les deux colonnes. Qu'est-ce qu'il y avait dans chacune des colonnes? Ouais, plein de choses. Un couple, c'est... Tellement, tellement d'aspects. Il y a l'aspect des enfants, il y a l'aspect financier, l'aspect sexuel, l'aspect de la maison, l'aspect du travail. Tout ça, c'est la colonne pour rester ou... Non. Alors, la plus grande raison, celle qui a fait que... même si rien fonctionnait. Et puis, finalement, la dernière année, il y a eu un concours de circonstances. Tout s'est accumulé, accumulé, accumulé. Et puis, à un moment donné, c'est même plus une décision. Enfin, c'est une explosion, quoi. Mais tout le monde ne le fait pas. Vous êtes partie? Oui. Comment vous l'avez dit? Je pars. Comment il a réagi? Mal. Comment? Je ne veux pas parler de lui parce que je ne peux pas dévoiler sa vie. Donc je ne veux rien dire sur sa vie à lui. Simplement, je crois que, étonnamment, il n'a rien vu venir. Et donc, voilà. C'était très dur. Nous sommes donc dans l'étape numéro 4 de cette émission, qui est l'étape de la crise de la quarantaine. Et pour le coup, là, c'était vraiment l'anniversaire des 40 ans. Peut-être une réaction au témoignage de Stéphanie, de Geoffrey, mais aussi de Marie-Pierre et d'Olivier, qui est au téléphone. Oui, j'ai écouté le mari de Marie-Pierre. Je trouve ça super. Ça a l'air bien parti. Parce que Marie-Pierre disait tout à l'heure, pas très loin de vous, elle est dans le nord de la France, elle disait tout à l'heure, on va aller voir un thérapeute de couple. Il faut qu'on aille voir un thérapeute. Vous disiez ça au début de l'émission. Oui, moi c'est la solution que je propose. Mais voilà. Il faut savoir ce qu'on en attend. Si on en attend un miracle, il ne se produira pas, je pense. Mais là, visiblement, vous êtes toujours là avec nous, Olivier? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Vous sentez comment, là, à l'instant précis? Par rapport à la solution... Dans la vie, dans, sous le pyjama, vous voyez. Sous le pyjama? Sous la blouse. Disons que je n'ai pas une vision très lucide des choses, parce que... Mais plutôt bien ou plutôt... Plutôt mal, parce que, comme le disait mon épouse tout à l'heure, en fait, en ce moment, j'effectue un travail sur moi-même. Disons que pour l'instant, si je pouvais lui faire passer un message, ce serait de lui demander de me faire confiance par rapport à ce travail-là, et d'envisager après peut-être la solution de la thérapie de couple, pour moi, si vous voulez, c'est pas encore, ce serait pas ma priorité en quelque sorte. Ce serait pas ma solution. Et j'envisage plus, en ce qui me concerne, si vous voulez, de résoudre mes problèmes entre guillemets personnels. Et ensuite, je pense que si je vais mieux avec mes propres
propres outils, mes propres moyens, je pense que ça s'en ressentira au niveau de notre couple. Alors peut-être vous pouvez essayer de faire les deux en même temps, enfin, qui suis-je pour dire ça, mais de rétablir le contact du dialogue, je pense que même... Oui, c'est parce que pour moi en ce moment, c'est pas évident de continuer à avoir la patience d'attendre qu'il aille mieux. J'ai l'impression que ça fait un an et demi que j'attends qu'il aille mieux et que j'ai du mal à continuer à attendre. Vous avez entendu Sophie, il n'a rien vu arriver, hein. Le mari de Sophie, hein. Rien. Ouais. Là, elle est venue aujourd'hui vous dire qu'elle vous allait vous poser un ultimatum, espérer que vous fassiez une thérapie, espérer que ça change, etc. Je ne dis pas que vous avez gagné au loto, mais quand même ce soir, vous avez quelqu'un qui prend conscience en face de vous, oui. Quelqu'un qui a envie de se bouger, qui vous dit « je t'aime ». Donc c'est mieux qu'un coup de pied au cul, comme dirait quelqu'un à moi. vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une expression du Sud-Ouest. La crise de la quarantaine. Qui a été frappé par la crise de la quarantaine ? Vous, spécialement. Jeanne et André. Qu'est-ce qui a bugué, comme on dit, à 40 ans, pour vous ? Eh bien, ce qui a bugué, c'est que déjà, on avait changé un peu d'activité. Peut-être ma femme était justement... Ça ronronnait depuis un petit moment, et ma femme avait donc un peu cassé ce ronron. Comment ? En s'engageant dans une entreprise commerciale un peu... Pourquoi vous faites ça ? Son entreprise commerciale n'était pas fameuse. Sympa, c'est encourageant pour sa femme. non, mais c'est elle qui s'est engagée là-dedans. Moi, j'étais dans le prêt-à-porter. Ouais. J'avais une boutique de prêt-à-porter de luxe pour enfants. Et puis, j'ai vendu mon affaire et j'ai acheté une brasserie. Ah, enfin, donc, ça a tout changé notre vie. Vous voulez que ça dépote, alors, là ? C'est une brasserie, c'est... Ouais, j'ai sauté d'un endroit pour un enfer, quoi. C'était ma boutique de prêt-à-porter, c'était superbe, mais la brasserie... Mais qu'est-ce que vous cherchiez en faisant ça ? Je cherchais peut-être à gagner plus d'argent. Oh, à mon avis, vous cherchiez aussi de l'énergie, quoi. Vous cherchiez aussi... Non, d'argent ? Oui, parce que je ne voulais pas travailler trop longtemps et je voulais faire peut-être 7-8 ans ça. Et puis voilà, la mise... C'est ma faute, on s'éloigne. La crise de la quarantaine. Donc cette entreprise s'est montrée désastreuse. On a donc changé d'activité à ce moment-là et moi je suis rentré dans l'enseignement. Et comme j'étais encore jeune et dynamique, j'étais très apprécié des élèves et on faisait des sorties à gauche, à droite, au bistrot, etc. Et en particulier, donc, il y a eu dans un premier temps une première élève avec qui j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amitié. On sortait, on allait au théâtre, au cinéma. Bon, d'un côté, évidemment, ma femme hurlait en nous voyant arriver un petit peu tard. Et puis cette première élève donc, est sortie du lycée, mais on a quand même eu encore des contacts pendant 3-4 ans. Elle avait quel âge ? Vous aviez quel âge ? Et celle-là, elle avait 21 ans quand même. Et moi, j'avais 45. Mais... Vous sortiez comment en ayant... Ah non, on sortait en amis. Oui, enfin, votre petit cœur comme ça s'emballait, j'imagine. Oui, certainement. Qu'est-ce que vous ressentiez ? On se sentait bien, je me sentais très à l'aise avec elle. Et j'avais quelqu'un avec qui discuter. Ça me sortait justement de la routine, du train-train. Oui. Ouais. Et puis, donc cet élève est parti et il est arrivé une deuxième, comme je connaissais le mécanisme, évidemment. C'est quoi le mécanisme ? Et le mécanisme, c'était on était rodés, donc on allait déjeuner. C'est incroyable d'en parler comme ça. On allait déjeuner et ensemble, et puis après on allait au théâtre, et puis la suite de On allait déjeuner et pour aller jusqu'au théâtre après, ça fait un long déjeuner. Non, on allait déjeuner et après nous sommes allés au théâtre, mais déjeuner après. Et puis un jour, quand nous sommes au théâtre, il était très tard et je l'ai donc ramené chez elle. Il ne s'est rien passé, n'empêche que le lendemain, j'avais reçu un courrier enflammé de sa part, dont le thème principal était « pour aller plus loin, il faut aller plus près ». Donc là, on passe de l'étape numéro 4 à la... Oui, c'est ça, vous avez la crise de la quarantaine, la tentation de la fidélité, ouais. C'est souvent... cause-effet. Oui, cause-effet. Donc elle m'a dit « pour aller plus loin, il faut aller plus près ». Pour aller plus loin, il faut aller plus près. Pour aller plus loin, oui, elle avait écrit ça sur sa lettre. Pour aller plus loin, il faut aller pas mal. C'est pas mal, c'était pas mal. Donc, vous voyez, je l'ai encore en mémoire. Pour aller plus loin ensemble, il faut aller plus près. Voilà. Voilà, et donc... Et quand ça change. Ça a tout changé dans votre vie. C'était des belles phrases, mais... Des belles phrases pour pas grand-chose. Allez, à la tâche. Et en avant, Guingamp. Non, continue. Donc, nous sommes allés plus loin et nous sommes allés plus près. Nous avons engagé donc une vie, on s'est installés ensemble assez rapidement. Comment vous avez expliqué ça à votre femme ? Je vais expliquer que c'était comme ça. Il me l'a dit carrément qu'il allait partir. Cash, ouais, et vous causez jeune, hein, vous. Oui, je cause jeune. Cache comment ? Bon, chérie, alors voilà, j'ai rencontré une étudiante, tu prends un peu loin, plus près, on s'installe ensemble. Tu vas partir en vacances, je t'emmène chez toi et puis moi je pars ailleurs et chez moi c'est chez mes parents, quoi, en Corse.
Et puis, ben voilà. Moi, le petit village moi, du début je m'en vais, non, le petit village, c'était juste pour les vacances. Et alors, voilà. Et puis, il m'a laissé. Il est parti avec la jeune fille. Qui avait quel âge? 25 ans. Et vous? À l'époque 45, peut-être, tous les deux, oui. Voilà. Vous étiez, encore jeune et fringant. Donc la crise de la quarantaine, c'est aussi vérifier qu'on est encore jeune. Hein. C'est ça oui, aussi, c'était ça aussi, oui, c'était jeune et fringant. Vous étiez heureux? Oui, on a été heureux au début. Ça a duré combien de temps avant, avant qu'elle vous largue, disons, non, les choses comme elles sont largue, non, c'était pas tout à fait. Non, c'est vrai, vous l'avez dit en préparant cette émission. Oui, mais c'était pas tout à fait ça. C'est que, donc, on a vécu jusque pendant à peu près 6 mois bien. Et puis, on a eu donc un coup de fil anonyme qui est arrivé chez sa mère, qui n'était absolument pas au courant. Et du coup, on a eu toute la famille sur le dos. Bon, je vais vous dire maintenant, c'était moi le coup de fil anonyme. C'était vous. Surtout, c'était pas le genre du tout. C'était pas vraiment anonyme d'ailleurs. Après, on a su un peu qui c'était. Non, c'est anonyme. C'est anonyme, tant pis pour lui. Voilà, tant pis pour les corbeaux, pas de pitié pour les corbeaux. Voilà, exactement. Voilà. De toute façon, donc il est revenu vers vous? Oui, mais de toute façon, je lui ai rendu la vie impossible. Hein, ah, comment vous avez fait alors, le vase de Soissons? J'ai été très mauvaise et à chaque fois, je lui cantais comme il me disait bien, tu me casses ma baraque. À chaque fois qu'il y avait un projet, quelque chose, je... Et vous l'avez laissé revenir? Bah, c'est-à-dire que moi, je savais qu'il allait revenir. Vous et je l'attendais. Depuis le début, vous savez qu'il allait revenir? Oui, tout à fait. Comment ça? C'est incroyable. Vous saviez que c'était la crise de la quarantaine et que ça allait passer? Oui, oui. Et puis parce que je savais qu'il était quand même... Il avait un caractère, il n'y a que moi pour le supporter. C'est incroyable. Non, mais ça, c'est rare. C'est rare que les femmes se disent, que qui que ce soit d'ailleurs dise, je savais qu'il allait revenir. Il est revenu et là, tu apprends ça, toi. Voilà. D'accord. Non, mais vous l'aimez encore? Moi, j'ai pendant ce temps, moi aussi, hein, je ne suis pas restée à pleurer. Et... Vous n'êtes pas restée les bras ballants. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, lui, il ne sait rien. Mais, qui fait le malin, c'est rien de ma vie. Tombe en ravin. Moi, mais je sais tout, alors. Mais lui, il ne sait rien. Parce que moi, j'ai suivi ça. Vous avez suivi ça comme ça? Ah oui, oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Vous avez tout ce qui s'est passé chez lui? Je l'ai empoisonné. C'était elle, c'était vous, le coup de l'anonyme? Oui. Non. Oui, je pense que oui, c'est ça. Oui, oui. Vous pensez vous êtes passé? Oui, ah, je ne savais pas. Bah, il y a eu des lettres, des autres choses, oui. Vous le saviez? Oui, oui, on le savait, parce qu'après, on a amené notre enquête. Non, mais vous en avez parlé depuis, tous les oui, deux? Oui, oui, on en a parlé depuis, oui, absolument, absolument. Il ne me croyait pas, mais il disait, oh, il ne doit pas être capable. Mais si, c'était moi. Là, je ne sais pas ce que je vais Christie, vous dire quelque chose, mais un jour, quand même, j'ai été un peu fort. Alors, elle téléphone. Je voudrais parler à André. Alors, parce qu'André venait quand même. Hein. On n'était pas séparés carrément. Il venait. Je croyais que vous avez renvoyé chez votre mère. Oui, je l'ai renvoyé, mais il venait quand même. Vous êtes revenu chez vous ensuite. Non, mais moi, je l'ai renvoyé quand même. Refaites-moi la voix. Alors, oui, bonjour, je voudrais parler. Et donc, elle voulait parler à André. Alors, je dis, André n'est pas là, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez, André? Ah, ben, vous savez, on va se marier, on veut avoir des enfants. Ah bon? J'ai dit, c'est très bien. Alors justement, je vais vous préparer, je vais lui préparer son baluchon. Je vous l'envoie à temps complet, parce que moi, je ne le veux pas tant dans le temps comme ça. Vous le prendrez tout le temps. Et puis alors, je vais vous dire, hein, moi, je l'ai eu jeune, beau et intelligent. Mais vous, je vous le laisse vieux, con et malade. Ça, elle a compris, ça a été radical. ce n'était pas vrai ce que j'avais dit comme malade, ça pour l'intimider, quoi, pour lui faire peur un peu. Quoi. Voilà. Franchement, c'est plus comme avant. Voilà. À ce moment précis, vous imaginez que vous alliez vous retrouver un jour? Oui. Et vous aussi? Franchement. Oui, je l'espérais, parce que je m'étais engagé. Et vous? Oui, j'espérais qu'elle voudrait bien me reprendre, oui. Mais vous pensiez que ça ne marcherait pas plus loin que ça avec vous? Non, parce que c'est un moment où justement ces coups de téléphone qui se sont produits, je savais que ça ne marchait plus, quoi. Oui, mais à un moment, vous avez espéré que vous passiez d'une histoire à une autre. Oui, oui, c'était sûr, oui. Pour moi, j'avais fermé un tome et j'allais en ouvrir un deuxième tome. Hein. C'était mon but à ce moment-là, quand je suis parti avec cette jeune femme-là. Mais alors, on peut ouvrir le deuxième tome d'un même livre, enfin, ouais, c'est oui, ça. Oui, là, c'est ça. Vous avez dit deuxième tome, vous n'avez pas dit un autre livre, d'ailleurs. Non, j'ai dit le deuxième tome de ma vie, tout à fait. Je donne la parole maintenant à...
Michel et Dorothée. Michel, comment vous avez découvert que Dorothée vous trompait, pour aller un peu vite, hein? Par excès de jalousie, en fait, de sa part. Il me harcelait tout le temps à vérifier mes mails, mon portable et tout ça. Et je lui dis, bon, tu commences à me casser les pieds. Je lui dis, fais voir ton portable. Et puis je regarde son portable, un code, un mot de passe. Je dis, c'est quoi un mot de passe? Sur son portable, pour lire les messages, mot de passe. Je lui dis, c'est quoi ce message? C'est quoi ça? Et je lui dis, tu me donnes le mot de passe? Elle me dit, non, je ne donne pas le mot de passe. T'es sûr? Au bout d'un petit peu. C'est intéressant, c'est elle qui faisait les crises de jalousie, c'est elle qui était... Ouais, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, d'après ce que mes invités m'ont appris de la vie. Ouais. Pas d'après ce que j'ai fait. Alors, allez-y. Et au bluff, j'ai fini par avoir le mot de passe parce que... en fait, j'ai enlevé la carte SIM de son portable, je l'ai mis dans mon portable, j'ai dit, sur le mien, il n'y a pas de mot de passe. Maintenant, je vais pouvoir lire les messages. Je dis, alors, où tu me le dis? Ou si je le découvre comme ça, ça va chier. Ou t'es honnête avec moi, quoi. Donc, dis oui. Ouais, la suite. Voilà, il a découvert tout. Il a découvert quoi? Bah, les messages que j'avais pas effacés. De quoi? Qui disait quoi? Bah, qui disait des choses intimes, quoi. Ça faisait combien de temps que vous aviez une relation? Une relation ou plusieurs? Une. Ça peut être pire, une, hein. Non, non. Parce qu'une, ça peut être une... Oui. Quelqu'un que vous aimiez? Vous étiez amoureuse, pardon, c'est différent. C'est quelqu'un dont je tombe amoureuse, oui. Depuis combien de temps ça durait? On s'est vu pendant un an et demi, en fait, sans qu'il y ait absolument rien. Il est un peu con parce que... Il appelle un soir à 23h35, son portable sonne, pour dire je me rappelle bien. Et bien sûr, on entend le portable, l'écouteur, j'entends une voix de mec. Et je lui dis, c'est qui? Et elle me dit, je sais pas, et en même temps, elle baisse le son. Je dis, elle est en train de me prendre pour un lapin de 6 semaines. Je dis, je prends le téléphone, allô, oui, pouf, ça raccroche. Oh, magnifique. Ouais. Je rappelle, messagerie. Vous êtes bien sur la messagerie de Richard, laissez un message. Tiens, c'est... Yes. On va pas dire son nom à Richard. Ouais, hein. Non, on va pas dire son prénom à Richard. Ouais. Voilà, quoi. Et voilà, donc après, j'ai appris l'histoire, enfin, les tenants et les aboutissants de l'histoire qui m'ont fait énormément de mal. Quoi. Pourquoi vous étiez jalouse au point d'aller lui dire et toi, que ça voulait dire quoi, ça? En fait, je sentais qu'avec cette personne, il pouvait y avoir une histoire qui... Une autre histoire, un autre tome, en fait, qui pouvait démarrer. Et j'avais quelque part, par rapport à la situation qu'on... On va sortir la Pléiade en 13 volumes, hein, directement, je crois. Par rapport à ce qu'on vivait, les épreuves difficiles, quelque part, j'avais envie d'ouvrir un autre tome. Et quelque part, j'avais pas envie parce que je savais qu'au fond, je tenais à lui. Et... Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à ce qu'il vous cherche ou vous cherchez à trouver quelque chose chez lui aussi? Je sais pas trop. Non, en fait, c'est une réponse acceptable. Je comprends. Vous en étiez où de vos relations, hein, tous les deux, en ce moment-là? Vous étiez proches l'un de l'autre? Non. Tendresse, non. Amour? On était... Il s'était passé toutes sortes d'événements qui faisaient qu'on vivait un peu comme deux étrangers. Donc, routine? Non, pas de routine. On ne le vivait pas comme une routine. En fait, là, on parle de routine, mais je voudrais... En fait, sur toutes les étapes, on revoit bien un peu tout. Il y a la naissance du premier enfant. Donc, on apprend toutes ces choses à nos dépens, en fait. Hein? Et... être père, par exemple, la routine, c'est une période ingrate où les enfants sont là, on s'occupe des enfants, forcément. Un enfant, ça fait quoi? Ça mange, ça dort, ça s'occupe de son cycle à lui, ouais. Son cycle et pas notre cycle à nous, hein, parce que nous, on a notre propre cycle. Pareil, quand on fait la libido, faire l'amour quand il n'y a pas d'enfant, c'est bien, ça. Mais on fait du bruit, que quand il y a les enfants, et ben, c'est silence, quoi. Donc, non, mais c'est tellement faut être vrai. Honnête. C'est tellement ça, vrai. Ça change la vie de couple. Ça fait du bien, la vérité, clair, continuez, lâchez pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, ce qui fait, là, c'est pour Vincent. Vincent, ce qui fait, c'est ce qu'on va transmettre à nos enfants et qu'on va avoir le fruit de ce qu'on transmet. Réellement, quoi, ça. C'est ça qui fait plaisir, après. On apprend toujours à ses dépens. C'est comme ça ce qu'on apprend, d'accord. Vous n'avez pas de routine, disait votre femme, et pourtant... vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un parce que c'était lui ou parce que c'était vous deux? Non, parce que je me sentais délaissée. Il avait repris... C'est pas de la routine, ça? Non, parce qu'il avait repris ses études, et en fait, j'avais aussi... Donc, il y avait le fait qu'il reprenne ses études. Le soir, il rentrait pas, il allait chez des copains, au resto. Vous aviez des aventures à ce moment-là avec d'autres femmes? Non, non, du tout. Non. Vous aviez l'impression de plus aimer votre mari? J'ai eu l'impression de plus l'aimer à partir du moment où il s'est passé physiquement quelque chose avec l'autre personne.
où je me suis dit, il faut que je fasse... Il faut digérer pour un mec, hein, parce que vous, vous ouais, êtes... c'est clair, il faut digérer, parce qu'elle est encore là. Hein. Mais, ce que, non, mais c'est clair. Mais ce que je voudrais dire, les filles, il faut arrêter... Cendrillon, ça n'existe pas, quoi. Attention, non, allez-y doucement avec les infos. Non, mais c'est et Père Noël. Je veux dire, le prince charmant... non, mais il faut... Ah, le prince charmant, il pète au lit, comme dirait l'autre. Pardon, excusez-moi. On a l'impression que c'est un conditionnement des jeunes filles qui croient au prince charmant et les nanas qui attendent le prince charmant, elles attendent encore, quoi. On est en direct, excusez-nous pour toutes ces informations. Non, mais c'est vrai, c'est... C'est petit lâché de... C'est un peu... Il n'y a pas un modèle idyllique de couple, quoi. Je veux dire, on est... chaque histoire... Phrase de Michel Audiard. Dans un couple, ouais. L'un au moins doit être fidèle et de préférence l'autre. Ouais. Michel Achard, ouais. J'ai dit Audiard. Ouais. Vous avez appris qu'elle avait... Que, par les petits messages, vous avez questionné suffisamment pour apprendre que c'était passé quelque chose. Elle a été honnête, hein, par contre, elle m'a tout dit. Tout. Ouais, si elle vous a tout dit, c'est qu'elle voulait que vous le sachiez, ça, de manière, je pense. Non. Ouais, parce qu'il faut être... Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis et revenir vers Michel? De toute façon, il allait le savoir. À un moment ou un autre, il y aurait eu un clash. Et, Ce qui est drôle, c'est qu'elle vous a cherché. Je reviens sur ce truc, j'ai bloqué là-dessus. Mais... Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut rajouter dans l'histoire, on parle d'histoire. Moi, j'ai une fille d'une première union. Et en fait, elles ne s'entendent pas trop toutes les deux. Et, tant que ça, ce n'est pas réglé, pause, quoi. Donc elle se sent... Je ne vous ai pas suivi, là. En fait, on avait des problèmes de communication. On avait... Avec votre belle-fille ? Avec voilà. Oui, ma belle-fille, mais aussi nous deux. Et à chaque fois que je voulais discuter, je disais, allez, viens, assis-toi, on va discuter. Il me disait, non, j'ai pas envie de discuter, ça m'intéresse pas. Il était très fermé. Vous avez changé depuis, hein ? Ouais, tout à fait. Non, ça, on l'apprend aussi à ses dépens, ça aussi. Vous avez appris. Dans ses dépens, vous avez appris aussi. Oui, non, mais tout aujourd'hui, fait. Vous parlez plus volontiers. Ah, tout à fait, vous avez trompé votre femme à votre tour ensuite ? Non, vous après, avez été voir ailleurs ? Non, ça. Pour marquer le coup, vous avez été voir ailleurs, vous ? Mais il sait rien. Vous avez été voir ailleurs quand même ? Oui. En fait, concrètement. Oui ou non, concrètement. Oui, je suis allé voir. Bien sûr. J'ai une rencontre, bien sûr. Oui, bah. Vous êtes forcé ou c'était. Non, je suis un mec aussi. Vous l'avez su en temps réel ? Non, je ne l'ai pas su tout de suite. Parce qu'en fait, quand il a appris que je le trompais, à l'époque, je reprenais mes études. Donc, il est resté. Chacun notre tour. Et en fait. Inconsciemment, ça veut dire quelque chose. Reprendre ses études. Ça fait partie des cursus dans la vie. Allez-y. En fait, c'est vrai qu'on avait. On a tous les deux, je peux le dire, on n'a pas une vie familiale très stable, en fait. On apprend à se construire ensemble. Et c'est vrai que les études, la reprise des études a été une des étapes dans notre couple, en fait. Hein. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que Michel vous avait rendu la monnaie de votre pièce ? En fait, à l'époque, j'ai pas bien compris parce que. Ça s'est passé à peu près 6 mois après qu'il apprenne que je l'avais trompé. De Richard ? Oui. Et en fait... Je dis Richard. À l'époque, il est resté donc du mois de septembre au mois de décembre à la maison pour s'occuper des enfants parce que donc j'avais repris mes études. Elle s'appelait comment ? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu moyen de savoir. Non, parce que c'est des trucs, faut oublier. Elle pourrait se reconnaître. Non, elle le connaît. Richard, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, c'est pas la fille qu'il faut oublier, pas du tout. Mais ça elle la connaît rien de ressasser. Non, elle la connaît pas. C'est même pas qui... Et enfin, ça sert à rien de ressasser, de faire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un pourrait se reconnaître et ça pourrait porter préjudice à quelqu'un ou pas ? Bah alors dites le prénom, on s'en fout alors. Allez, ça fait du bien. Parce que je n'avais pas dit la vérité, c'est pour ça. Il m'avait dit Sylvie, mais en fait c'était Christine. Mais je pense avoir vu une photo de cette fille. C'est impossible. Christine, je pense. Ma sœur s'appelle Christine aussi, mais c'est pas ça. On a la photo. Vous avez donné une photo à notre équipe ? Non. Sérieux, j'aurais dit, c'est toi. Non, du tout. Non, pas la photo, c'est une blague. Et en fait... C'est bon, la photo ou pas ? Christine, elle s'appelait Christine. Pourquoi avoir menti entre Christine et Sylvie ? Parce qu'elle me casse les pieds, alors voilà, quand elle me casse les pieds, je lui dis pas la vérité, et puis comme ça, ça, voilà. Et pourquoi la vérité sort ce soir ? Et pourquoi ce soir vous avez décidé de vous dire ? Vous vous dites toute la vérité ? De toute façon, enfin j'espère. Ouais. En tout cas, moi j'ai envie de dire la vérité maintenant, donc... Ça passe des choses dans une vie, hein. Très bien. L'éducation nationale, parce que là, vous dites que vous avez repris vos études, donc c'est l'éducation nationale. Moi, c'est aussi l'éducation nationale, donc là, c'est pas mal. Reprendre ses études, ça correspond à un âge de la vie, ça veut dire réapprendre, ça veut dire...
Comment vous l'avez appris pour l'histoire de Sylvie? Eh ben, non, de Christine. Christine. En fait, donc, il est parti au mois, enfin, début décembre. Je lui ai dit, l'autre personne me manque trop. Voilà, ça va pas. Donc, il m'a dit, c'est bon, maintenant, je m'en vais. C'est vrai que... Elle m'a dit, je lui ai posé la question. Je lui ai fait, mais tu tiens tant que ça à lui? Je lui ai dit, si tu tiens à lui, je m'en vais. C'est clair. Je lui ai dit, moi, je ne lutte pas, c'est pas la peine. C'est ou tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Vous étiez avec l'autre pendant ce temps-là? Non, moi, j'étais pas. Non, et moi, pas. Je voyais plus. Comment vous l'avez appris? Vous le voyez plus, Richard, à l'époque. Comment vous avez appris pour Christine, pour Sylvie? Comment vous avez réagi? Comment j'ai appris? J'ai appris ça, en fait, un soir, donc il n'était pas là, et j'étais en train de réviser pour mes partiels, et devant l'ordinateur, il y a un de ses amis qui commence à me demander est-ce que Michel est là, sur MSN et tout. Et je dis non, il n'est pas là. Ah bon, il est où? Et un coup de bluff, je mets chez sa copine. Il me fait ah bon? Et il m'a dit qui? J'ai dit la petite blonde qu'il a rencontrée chez Mathieu, donc c'est une boîte. Et la petite blonde. Blonde. Et bien vraiment au pif, quoi. J'étais pas du tout au courant, mais j'avais un petit peu j'avais un ressenti, je sentais un peu au fond de moi-même. Et il me dit ah bon, mais je pensais qu'ils étaient plus ensemble. Et en fait. C'est sympa, le copain. Et en fait, ça, de c'est, là, pas, c'est pas du bluff, ça, c'est l'inconscient, l'instinct, il n'y a pas de hasard. J'ai tout appris, en fait, j'ai réussi à le cuisiner jusqu'au bout, au moment où le copain m'a dit mais t'es au courant de quoi, au juste. Parce que bon, je pense qu'il avait senti que... Ouais, voilà. Ouais, qu'il a fait. Ouais. C'était il y a combien de temps, cette histoire? C'était au mois de janvier l'année dernière. Ouais, c'est tout récent. Vous l'avez dépassé, cette étape? Vous l'avez franchi? Oui. Oui, enfin, oui, Michel m'a beaucoup de rancœur encore, moi moins, parce que... Oui, parce que ça a été long, quoi. Je veux dire, le premier appel que j'ai intercepté, ça date d'un an et demi auparavant, avant qu'il y ait quelque chose, quoi. Donc, en tout cas, vous avez franchi cette étape, vous pensez, aujourd'hui? Pas encore. Non. Il faudra que ça passe, parce qu'on se reverra un de ces jours avec lui. J'avoue pas être Richard. Non, c'est clair. On a parlé de 5 étapes, pour autant on ne les a pas toutes franchies. Vous venez de le dire. 5 étapes, la partie n'est pas gagnée. Comment vieillir ensemble? C'est la 6e étape, surtout quand les enfants quittent le nid. On est prêt? On tape à l'étape numéro 6, le tête à tête sans les enfants. Et là, je me tourne vers Virginie. 30 ans que vous êtes mariée avec Gilbert. Vous avez deux enfants dans votre fille, vos deux filles? Non, c'est qu'une fille. J'ai qu'une fille. Une fille et un garçon. Et un garçon. Racontez-nous comment s'est passé le départ de Aurore. Très bien. C'était le début de la vie. Quand elle est partie? Non, quand elle est arrivée. Ah non, j'ai dit quand elle est partie. Ah, quand elle est partie, très mal. Donc l'aurore au crépuscule, je veux dire. Exactement. Et c'est-à-dire très mal, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est-à-dire que c'est elle qui a demandé à partir. Quel âge avait-elle? Elle avait 21 ans, 22 ans. Et tout le monde me disait, tes enfants ne te quitteront jamais avant 30 ans, tu es coucoune trop, tu es trop sur eux. Et à 22 ans, elle m'a dit, maman, je veux un appartement, je veux partir. Quand elle a trouvé son appartement, j'ai mis toutes ses affaires dans une valise, j'ai tout mis dans la voiture et je lui ai dit, mais pars. J'étais malheureuse comme c'est pas possible. Et elle aussi. C'est un micro? C'est vrai que... Ah, ça marche? Ça a été violent. Ce départ, je suis rentrée le soir du boulot, j'avais toutes les affaires dans la voiture. Ah, vous avez mis les voitures, vous avez fait genre l'amoureuse passionnelle et conduite, et bien si c'est comme ça, je te fais ta valise et tout ça. Vous lui avez joué comme ça, votre fille? Oui. On élève les enfants pour qu'ils s'en aillent, je dis ça. Je suis d'accord. Et vous l'avez fait l'amoureuse quitter? Parce que partir à 22 ans, enfin je veux dire, il n'y a rien d'extravagant là-dedans, quoi. Elle était trop jeune. Pourquoi vous sentiez le besoin de partir? Parce que déjà, il faut savoir qu'on travaille ensemble toutes les deux. Donc on a toujours été très très proches. Et donc je suis partie, on est toujours proches, oui. Je suis rentrée à l'école, donc je rentrais à l'école 2 mois après, en septembre. Je rentrais à l'école d'éducateur. Et je voulais partir, j'en avais besoin. Mais besoin de devenir grande, quoi. Ouais, grande. J'ai tout fait. Vous l'avez tout fait. Comment vous avez réagi les nuits suivantes, une fois qu'elle était partie? Je ne dormais pas. Vous ne dormiez pas? Moi non plus. Et cette chambre à elle qui était... Non, c'est horrible. Je me souviens encore quand je rentrais dans sa chambre, je l'entendais sucer son pouce et elle faisait... Et je ne l'entendais plus. À 22 ans, elle faisait... Oui, elle suçait son pouce. Encore, elle suce son pouce. Non. Pas de blague.
Pas de blague. Elle a cette otote? Non, c'est le petit doigt. Quand elle s'ennuie, quand elle réfléchit, elle... Elle est partie? Oui. Vous avez transformé sa chambre? Non. Vous l'avez laissée telle quelle? Oui, encore. C'est la chambre, vous avez été petite fille aussi? Oui, oui. Oh là 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 là. Vous avez déjà dormi dans cette chambre? Oui. Après? Oui. Après son départ? Oui. En ressentant quoi? Oui. Et son odeur? Et vous, ça va? Vous le viviez comment? Elle dormait pas bien. Moi, je l'ai vécu difficilement. Ouais. Tout seul. Oui, parce que vous dire que vous ne suffisez pas au bonheur de votre femme, parce que vous, l'idée que vos enfants, quel lapsus, partent, c'était une bonne nouvelle pour vous de retrouver votre femme, a priori? Moi, oui, oui, oui. Une belle femme, comme ça, sympathique. Ah ben oui, moi... Mais après, pour lui plaire, il faut sucer son pouce. Non, vous avez été surpris qu'elle le prenne comme ça? Non, parce que c'est une mère qui est... Vous êtes beaucoup disputé, vous avez dit à notre équipe en préparant l'émission. Eh bien, oui. Vous lui reprochiez quoi? Vous lui disiez quoi? Eh bien, parce que, bon, moi je considère que les enfants, on ne les élève pas pour nous, qu'ils ont leur vie à faire et qu'on n'a pas à les posséder, à les garder. Mais je ne veux pas les posséder. Je pensais simplement qu'ils étaient trop jeunes pour partir. Benjamin était toujours là. Benjamin était toujours là, mais il est parti 2 ans après. Et quand Benjamin est parti, ça a été... Vous l'avez mieux vécu, vous étiez préparé, j'imagine. Non, ça a été pire. Parce qu'il en restait un dans la maison. Le jour où le second est parti, plus de musique, plus de bruit, plus de copains, plus de... Mais plus rien. C'est dur pour votre mari d'entendre ça, hein, je pense. Parce qu'il peut mettre de la musique, il peut faire du bruit, quoi. Il aime pas écouter la musique. Il mettait la musique quand mets la musique. J'aime la musique, mais en sourdine, mais pas... Pas à fond les ballons? Et oui, comme les enfants le faisaient, en fait. De quelle façon vous avez essayé de redonner le sourire à votre femme, de passer cette étape? Parce que ce n'est qu'une étape. On pense que c'est impossible de vivre après, mais c'est possible après, vous êtes là aujourd'hui. N'est-ce pas? Ou pas? Comment? C'est pas grave. Non, si. Là, elle a fait une thérapie sur elle-même. Et ensuite, bon, moi, quand on s'est retrouvés tous les deux, bon, j'ai essayé de la sortir. Alors, vous avez fait quoi? Au cinéma, au restaurant, mais bon... Balnéo. On partait... Thalasso, balnéo. Voilà, donc, bon, mais c'est vrai que... Non, mais il a été très patient. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Combien d'années en tout? Pour retrouver le second souffle? Je ne sais même pas si on a retrouvé le second souffle. On arrive à peine. On arrive à peine à se retrouver maintenant. J'arrive à peine à avoir envie de lui donner ce qu'il me demande depuis très longtemps, en fait. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que. Lui donner quoi? Je crois qu'il a envie de m'avoir pour lui tout seul et je lui ai jamais donné cette chance. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Il est... Oh non, si. Allez, pourquoi? Avec le sourire en plus. Non, mais... On parle que d'amour, là. Oui, mais j'ai donné beaucoup d'amour à mes enfants. Je crois que j'ai donné beaucoup d'amour à mon mari, mais peut-être pas comme il le voulait. Il voulait peut-être des moments, davantage de moments... Vous connaissez la chanson de Sardou, là? C'est quoi, ta-ta-ta-ta? C'est les vieux mariés. Mais non, c'est pas de m'appeler jumeau, c'est les vieux mariés, quoi, si on partait au bord de la... On n'est pas des vieux mariés. On n'est pas des vieux mariés. Vous êtes quoi, alors? Là, je crois qu'on va redevenir des jeunes mariés. On est parti en voyage de noces... C'est une information qui vous arrive. Non, on est parti en voyage de noces pour nos 25 ans de mariage. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans, puisqu'on est mariés depuis 30 ans. C'est un début. Mais oui. Elle a raison. Et reconstruire le couple. Ou construire une vie de couple comme vous l'avez... C'est quoi l'objectif pour vous, votre avis? Là, maintenant... Passer les larmes en gardant le sourire et le cœur sur la main comme vous l'avez. Continuer à garder le cocon, mais un cocon qui s'élargit. Avec un futur bébé qui va arriver, avec un gendre, une belle fille, avec... Mais qu'on reste unis. Ça, c'est les enfants. Ça, c'est les enfants. Et vous deux. Et nous deux, mais se retrouver nous deux comme lui, il a envie. Que j'apprenne, moi, à vivre comme lui, il me le demande depuis 30 ans. Je pense que ce n'est pas pour lui, hein. Il nous a dit préparer l'émission, c'est aussi pour vous. Si vous n'y prenez pas de plaisir, il ne sera pas content. Si, j'y prends du plaisir.
Venez nous rejoindre ici, on sera mieux là. Venez, descendez ici. Prenez votre femme sur les genoux. Venez. Allez. Encouragement, on est en direct. Allez, comment ils font les jeunes? Comment ils font les jeunes, ils se prennent sur les genoux et tout ça. Hein? All right. Bien là. On est bien là. Mais ça, on le fait ça. Et bien sûr. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on passe plus de moments ensemble. Mais dis-tu à lui, c'est pas. Il le sait. Mais oui, mais on le fera. On le fera. 30 ans de mariage. 30 ans de mariage, ça fait envie là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je trouve que c'est logique. Logique. Quoi? Ouais, cette continuité en fait. Enfin, dans vous avez les yeux qui brillent. Moi, j'ai hâte. Moi, je me vois bien à 80 ans avec Michel, avec une petite canne, sans problème, quoi. Non, mais 80 ans avec une canne. Non, mais moi, je veux rester jeune dans mon cœur et dans mon amour. Et puis, si vous voulez bien, ils n'ont pas 80 ans encore. À quelles conditions ça peut marcher? Vous êtes pédopsychiatre, Pédopsychiatre, oui. Oui, pédopsychiatre des enfants, donc des grands-enfants qu'on reste tous, si j'ose dire. Hein, des enfants et de la famille, en fait. Et donc de la famille, surtout. À quelles conditions ça fonctionne, un coup? Qu'est-ce qui fait que, par quelle magie on peut en arriver jusqu'à cette sixième étape? La discussion. Le dialogue. Oui, alors le dialogue, c'est effectivement un ingrédient important, mais pas n'importe quel dialogue. Venez, vous aussi, sur mes genoux. Je comprends de nous inviter et je m'assois, je fais partie avec eux. Oui, le dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. C'est-à-dire qu'on a entendu effectivement que les couples essayent des fois de se parler, mais sans s'entendre, sans s'écouter. C'est vrai que si la seule chose qu'on a à dire à l'autre, c'est une liste de reproches, l'autre ne peut pas nous entendre. Communiquer, c'est pouvoir. Il n'a pas envie d'entendre. Et il n'a pas envie d'entendre, et surtout, du coup, il n'a plus envie de discuter. Il ou elle n'a plus envie de discuter. Je crois que pour bien dialoguer, il faut avant tout parler de ce que l'on ressent, de ce que l'on a envie. Et vous avez évoqué autre chose d'important lorsque vous avez dit justement que vous avez envie de lui faire plaisir tout en vous faisant plaisir. Oui. Je crois que pour qu'un couple fonctionne, il faut bien comprendre la différence entre compromis et concession. Et je crois que beaucoup de couples, oui, c'est quoi ? Font énormément de concessions. La différence, c'est que les concessions, c'est qu'on va faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, mais tout en se faisant sacrifice. Et on accumule comme ça toute une série de griefs, de ressentiments qui font après une liste qui pèse lourd. Le compromis, c'est lorsque justement, grâce au dialogue, eh ben, on va trouver l'un et l'autre quelque chose qui convienne aux deux, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette d'avancer ensemble. Enfin, il y a un troisième point qui est aussi important, parce que j'ai beaucoup entendu parler de routine. Je crois que la routine, c'est un terme finalement... Non, c'est une des étapes qu'on a inscrites dans cette étape. Justement, je crois que la routine, c'est un terme négatif pour parler des habitudes. Or, je crois que n'importe quelle vie se nourrit d'habitudes. C'est-à-dire qu'on se lève tous les soirs, on se couche, on doit dîner, on doit manger. Ça fait partie des habitudes. Simplement, il faut pouvoir insuffler à ces habitudes quelque chose qui donne encore l'envie de vivre ces habitudes ensemble. Que ce ne soit pas une contrainte. Tout à fait, que ce ne soit pas une contrainte. Que ce soit un rituel, peut-être. Un rituel sympa. Ça peut être un rituel, mais qui peut être renouvelé chaque fois. Vous dites que la routine, c'est négatif. Je ne pense pas du tout. Non, je dis que la routine, c'est le terme négatif pour parler des habitudes. Les habitudes, elles sont nécessaires, elles sont fonctionnelles. Les rituels, ça peut être sympa. Elles peuvent être au contraire positives. Quels sont les bons rituels que vous avez avec Hélène? Toujours en ligne, Hélène? Elle est toujours là. Ouais. Quels sont les bons rituels? Elle est toujours là. Et Olivier est toujours là? Oui, tout à fait. Olivier, vous avez des amis à la maison ou quoi? Ouais. Alors, c'est quoi les bons rituels avec Hélène, par exemple, pour positiver? Bon, j'en sais rien, mais enfin, pour nous, ils sont bons, je sais pas moi, d'aller au travail le matin à telle heure, manger à telle heure, on peut appeler ça une routine. Ça peut être sympa, ça. Le week-end, ça être canapé, si on est tous les deux contents d'être dans le canapé, je vois pas ce qu'il y a des gens qui vont nous dire, faut sortir, faut bouger, etc. Sinon, c'est nos habitudes, et on est content dans nos habitudes. Ça devient une routine, mais si on est content dans cette routine-là, je vois pas si ça peut... Ce sont des rituels intéressants. Voilà. On va parler de vos rituels à vous, ce qu'on appellerait la septième étape. Ouais. Ah, voilà. Le nouveau souffle. On voit bien l'antenne, là? Ouais, à l'image. Oh, bon, pas grave. Le nouveau souffle. On va finir avec le nouveau souffle, l'émission de ce soir. Mais j'aurais d'abord qu'on passe au carnet de... On va finir parce qu'on va finir... Oh.
Non, c'est important. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 37 ans. Ça a été moins 5 à des moments où vous êtes forcé. Oui. Voilà, bon. Bon, vous avez trouvé un vrai nouveau souffle, on partagé. On n'arrive pas à 37 ans comme ça. Hein. Non. Il y a des hauts compromis, et des bas. Compromis, concessions, mais bien en tout cas, le sens de la marche. Ce serait trop beau. Oui, puis ce serait peut-être même moins drôle. Ce serait la routine, je pense. Ce serait peut-être ça, la routine, tiens. Vous l'avez dépassé. Vous allez nous donner vos clés. On va finir avec votre témoignage pour le nouveau souffle de l'émission. Tout de suite, nous passons aux 15 ans de Ça se discute. Je dois dire quelque chose? Vous me dites, hein. On a 15 ans. C'est la 15e saison de Ça se discute. Alors, on est content. Oui, je crois qu'on est content. On est un peu comme ça, mais on est content aussi comme ça. On a des invités, surtout c'est l'occasion de retrouver des invités qu'on a vus qui étaient à des moments clés de leur vie au moment où on les a reçus dans cette émission. Ça arrive pour certains de nos invités ce soir. Il y a eu pas mal de monde de vérité, j'adore. Et on avait reçu donc il y a 9 ans, donc en 1999, Gaëtan, qui avait 9 ans à l'époque. Oui. 9 ans à l'époque. Il avait 13 ans. C'était il y a 9 ans. Gaëtan était venu très courageusement nous parler de son retard mental. Il est de retour sur son plateau ce soir, 9 ans après. À la naissance, il a eu des lésions cérébrales. Et à l'âge de 2 ans, on nous a dit votre enfant ne saura pas lire ni écrire. Gaëtan est né avec un handicap mental. Il avait 13 ans lorsque nous l'avions rencontré. Il était déscolarisé. Son père, Gérard, lui donnait des cours à la maison. Est-ce qu'il est facile de s'improviser professeur, même avec l'appui du CNED, hein. Je veux dire, il faut quand même être là derrière. Hein. C'est très dur. Quand même. C'est très dur, vous dites? Très dur, oui. Oui, parce que je me retrouvais, moi, avec lui à la maison. Et la première année, c'était très, très dur. Et toi, Gaëtan, est-ce que tu aimerais que la classe s'agrandisse, qu'il y ait plus d'élèves? Bah, oui. J'aimerais bien. Le problème, c'est que notre classe est petite, donc on ne peut pas mettre beaucoup d'élèves. Gaëtan a aujourd'hui 22 ans. Grâce à sa détermination, il a réussi à intégrer un lycée classique il y a 4 ans. Il est en deuxième année de bac professionnel. J'ai plus de confiance en moi. C'est drôle ce que j'ai dit, mais je suis pas le monstre de la classe. Quoi. On considère comme quelqu'un de normal. Bon, je suis le seul garçon, mais bon, ça va. Comme tous les garçons de son âge, à la cantine, il s'adonne à son occupation favorite, parler des filles du lycée. Un sujet qui l'intéresse particulièrement. Si j'avais à faire un classement, le classement des filles que je préférais, il y a Ibtissam, c'est vraiment une superbe fille. Il y a Pauline, bon, qui est assez sexy et coquine. C'est grâce à la persévérance de son père que Gaëtan mène une vie presque normale et qu'il peut envisager l'avenir. Cette année, tu es en deuxième année de bac pro. Et plus tard, tu veux faire quoi? Premièrement, poursuivre pour BTS. Oui. Et ensuite, me diriger plutôt vers le social et l'humanitaire. D'accord, mais tu sais que ta deuxième année de bac pro, elle est dure. Oui, elle est dure, mais je vais me battre pour réussir. Tu sais, moi, quand je vois d'où on est parti, c'est que je peux te dire que je suis très très fier. Ouais. Malgré ses progrès, Gaëtan n'oublie jamais qu'il est handicapé. Il arrive à exprimer ses émotions grâce à l'écriture et au slam, sa nouvelle passion. Je suis née avec un manque de chance. Je suis née avec un handicap dès la naissance. Mes parents ont appris que mon avenir se résumait à vivre dans un hôpital, sans parole, sans geste. Mes parents m'ont aimé avec douceur et caresse. Je suis autiste, mais aussi artiste. Je jongle avec les mots, c'est ce qu'il me faut. J'écris la vie des gens tristes en musique. J'écris ma solitude, mais j'en fais pas une prélude. J'écris la tristesse avec délicatesse. J'écris des mots d'amour sans rien attendre au retour. Gaëtan est un artiste dans l'âme. Il adore chanter. C'est un moyen pour lui de dépasser sa timidité naturelle. Tous les vendredis soirs, il prend le micro devant ses amis. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh, un instant, j'aimerais que ce moment puisse pour l'éternité, ta sensualité. Merci.
en souvenez du passage dans l'émission? Quel souvenir vous en gardez? Un bon souvenir. Un bon souvenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que... Je sais que grâce à ça, je me suis plus senti en confiance. C'est-à-dire, je me suis dit, autant aller de l'avant et le plus loin possible. Et donc, là, aujourd'hui, je suis là en préparation avec un bail pro. Est-ce que c'est une collaboration, hein? Vous étiez là aussi, on vous a vu, vous me disiez, regardez, un bon souvenir aussi. Pardon, mais ça ne va pas me suffire. C'était un enjeu important pour votre fils. Oui. Est-ce que l'émission, j'ai l'impression, Gaëtan, que tu disais, ça vous a aidé à prendre confiance en vous? Oui. C'est ça? Oui. Et il se sentait comme les autres. En venant sur un plateau télé, c'était je suis un enfant comme les autres. Voilà. Alors, il slame maintenant, il slame bien. Oui. Il chante pas mal, mais il slame bien. Oui. Et d'ailleurs, j'avais préparé un slam aujourd'hui, donc je ne sais pas si tu peux vous le dire. Franchement, beaucoup de choses sont préparées, mais pas tout. Hein. Carrément. Slamon. Donc, je ne sais pas si vous êtes célibataire, mais j'ai un site. J'ai un slam, donc je vais vous le faire. D'accord. C'est important que je sois célibataire? Oui. Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ce slam est dédié aux célibataires. Quoi. Ah d'accord, à tous les célibataires. Retournez-vous la caméra, ce sera plus facile, on vous verra mieux sur face. Voilà. Je suis comme un pantin sans fil, un peu fragile, et j'erre dans le RER à la recherche de celle qui pourrait me plaire. Après, retour à l'appartement du célibataire, où il n'y a rien à faire à part se faire un tilleul quand on est seul. Vous voulez savoir ce que c'est le plan d'enfer pour un célibataire? Ouais. Je vais vous le dire. Le matin, je me lève et je sors de mes rêves. Ah tiens, aujourd'hui, c'est jour de grève. J'en profitais pour faire du shopping en suivant mon feeling. Et après, l'après-midi, après avoir bouffé un hamburger en sentant les fleurs, direction l'appartement d'un nouveau pote célibataire qui ne sait que faire de ses journées foutues en l'air à cause de son ex qu'il a quitté sans aucun prétexte. Le soir, c'est le plan drague. Pas question de se planter une dague au plein cœur, car pour trouver l'âme sœur, c'est une question d'heure. Après, discothèque. Attention, les gars et filles, ça va être votre fête. Je danse en perte de mes sens. Oula, deux filles, je dois choisir. Bon, on choisit la vie avec une seule fille, parce que la vie avec deux nanas, c'est la cata. Je crois que j'ai décroché le gros lot. Une fille m'a donné son numéro. Après, retour à l'appartement du célibataire avec le regard fier. ce slam étant terminé, la moralité de cette histoire, c'est que... j'ai un trou c'est de mémoire. C'est normal, parce que t'as une petite... Prends ton temps. Le slam, c'est que... La moralité de cette histoire, c'est que le destin doit être tragique ou magnifique, mais la vie est toujours magique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que... Merci. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on est en direct. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce garçon est arrivé sur Terre avec un retard mental important et dit par la scolarité comme étant irrécupérable. Hein. Ouais. Ce texte, c'est lui qui l'a écrit, c'est toi qui l'as écrit? Oui. T'es toujours célibataire? Hein? Toujours célibataire? Oui, malheureusement. Non. Bienvenue sur le forum de l'émission. Attendez, sérieusement. Aujourd'hui, Bac Pro, aujourd'hui, ce slam qui vient d'écrire, qui vient de sortir en direct intégral ici. Voilà. Avec quand on veut, on peut. Bravo. Give me five. Marie-Pierre était venue sur le plateau il y a combien de temps? 7 ans. 2001. Lorsqu'elle était venue nous voir, Marie-Pierre était mineure. Elle avait 17 ans, mais elle était déjà mère d'une fille de 2 ans et demi. Quel chemin a-t-elle parcouru depuis? L'enjeu, c'était comment vais-je réussir ou pas à devenir maman? On a vu que c'était l'étape numéro 2, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes passé à l'étape numéro 3, 4, 5, 6, 7? On va voir. Retour en image. Allez. Océane, on va faire 2-2. Hein. Mimi, tu veux faire Mimi? Mimi, toi.
En 2001, nous avions reçu Marie-Pierre. Cette adolescente de 17 ans avait déjà une petite fille de 2 ans et demi. Au quotidien, vous vous sentez une adulte, vous sentez une enfant, ça dépend des moments. Une adulte la journée. Puisque bon, bah, c'est vrai qu'il y a plein de responsabilités à prendre. Et je me sens adolescente quand je sors en boîte, quand je vais boire un café avec mes copines. Là, je me sens vraiment adolescente. Ses sorties en boîte de nuit lui permettaient de se sentir une jeune fille comme les autres. Elle pouvait oublier son rôle de mère le temps d'une soirée. C'est vrai qu'il y a Océane, j'y pense, mais elle est au fond de ma tête, elle n'est pas présente comme au centre. C'est vrai que je vis un peu dans mon insouciance et je trouve que c'est bien, ça fait du bien en fait de se libérer. Je trouve ça bien. À l'époque, elle vivait en foyer avec Océane. Ni sa famille, ni le père du bébé ne prenaient soin d'elle. Elle était toute seule. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau pour l'avenir, Marie-Pierre ? De plus beau ? Ouais. D'avoir une belle vie par la suite, avec Océane. C'est avec Océane et plus si affinité. Plus si affinité, oui. 7 ans sont passés et les vœux de Marie-Pierre ont été exaucés. Aujourd'hui, elle a tout ce qui lui manquait, une maison et quelqu'un pour partager sa vie. Une petite Luna est même venue agrandir la famille. Alors c'est vrai que ma vie d'aujourd'hui, elle est très différente de ma vie d'avant. On a toujours vécu toutes les deux avec Océane, donc c'est très différent. Océane a aujourd'hui 10 ans. Les années qu'elle a passées seule avec sa mère les ont rendues très complices. Elles savent qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre. Océane, tu me la prends pendant que je fais le biberon ? Tu me la prends pendant que je fais le biberon ? Je pense qu'aujourd'hui... On est bien, quoi. On a une complicité à nous deux, on n'a pas beaucoup d'écart, donc c'est bien, quoi. C'est agréable. Et puis elle est fière d'avoir une maman jeune. Hein ? C'est mieux, hein ? Ouais, hein ? Océane adore sa petite sœur et s'entend à merveille avec Samuel, le compagnon de sa mère. C'est bien beau de jouer, vous faire les devoirs aussi, hein ? T'as tout ça à recopier. Mmh. Bon, maintenant on se met au salon tranquille, hein ? Regardez ça ensemble. De jour en jour, on se découvre. C'est, on va dire, de mieux en mieux tous les jours. Donc, le bonheur grandit. Bah, ce qui est mieux, c'est qu'on est tous ensemble et qu'elle a la petite sœur. Et puis, il n'y a rien de moins bien, c'est tout bien. Mmh. Ça va, c'est Anne ? Oui. Tu te sens bien ? Oui. Ça fait quoi de revoir sa maman comme ça ? Il y a si longtemps, t'étais pas grande à l'époque, hein ? Bah, c'est bien. C'est bien ? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu te dis ? Hein ? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ta maman ? Bah, je suis fière d'elle. T'es fière ? De quoi ? Bah, ça doit être dur d'élever un enfant à 14 ans, puis elle a réussi. À 14 ans, hein ? Oui. Elle a réussi ? Oui. Elle a été une bonne maman ? Oui. Quel genre de maman, par an, tu dirais ? Bah, une bonne, et maintenant on partage un peu tout ensemble. Par exemple ? Bah, on a les mêmes goûts, plein de choses. Les mêmes goûts, par exemple, pour les cuissardes, quand même, comme ça, comme ta maman, non ? Les mêmes goûts, pourquoi ? Bah, pour les habits, plein de choses. Ouais, parce que 14 ans d'écart, y a des frères et sœurs qui ont plus d'écart que ça, hein. C'est vrai. Alors, on a entendu quand même, Océane, parce qu'on me dit qu'on a pas, que t'as pas de micro, alors... On t'a entendu via le micro de ta maman, comme quoi vous partagez tout, même le micro. Voilà. L'enjeu, c'était est-ce que je vais réussir à devenir une maman ? Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi ça ? Alors, le passage à l'émission m'a beaucoup aidée. Vous ne sentez pas obligée, hein ? Non, franchement, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de lettres de gens qui m'ont soutenue. Ça m'a énormément aidée. Qui vous en dit quoi ? Qui vous disait quoi ? Que c'était bien, qu'il fallait que je continue, qu'il ne fallait pas que je baisse les bras. Donc c'est vrai que du coup, on s'en est toujours sorties toutes les deux et aujourd'hui, je suis fière d'en être là où je suis. Vous en avez franchi les étapes, vous, qui ne sont pas les mêmes étapes que les autres parce que vous avez une vie particulière. Ouais. Quelles ont été les étapes les plus importantes ? Les moments difficiles, les moments où on a l'âge de 20 ans et on a vraiment envie de sortir, on a vraiment envie de partir en voyage, on a vraiment envie de faire ce qu'une personne de 20 ans fait et on se dit, ben, on ne peut pas parce qu'elle est là. Et de se dire, bah, il ne faut pas qu'Océane soit considérée comme un boulet, entre guillemets. Donc il ne faut pas... Mais comme une chance. Voilà. Et après, on réussit à franchir cette étape. On fait des choses sans qu'Océane soit là. On fait des choses avec Océane. On apprend à faire sa vie avec les enfants. Qu'est-ce que vous partagez de plus fort, toutes les deux ? Je pense qu'on a une très grande complicité.
En se regardant, des fois, on comprend les choses. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que pense votre fille, là là, tout de suite, je sais pas, je pense qu'elle se dit qu'elle est contente d'être là et puis qu'elle est un peu timide. Et qu'elle... Et qu'il y a une forme de fierté, je pense aussi. J'ai l'impression, quand tu parles de ta maman, hein, Céane. Oui. T'as envie d'avoir des enfants à quel âge, toi? Je sais pas. Alors, par contre, je voudrais pas qu'elle fasse la même chose. Elle fera ce qu'elle voudra. C'est ça, élever les enfants. On fera en sorte que non. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'on élève les enfants pour qu'ils s'envolent. Hein. Je ne sais plus qui a dit ça, mais... Ouais. Pas facile à vivre. Hein. C'est trop tôt. Ouais. Les moments difficiles ont été les moments les plus importants. Vous le disiez tout à l'heure, on apprend toujours à ses dépens. Il faut prendre les moments qui sont bien, il faut les prendre tels qu'ils viennent et les vivre à fond. Ouais. Les moments qui sont mauvais, c'est l'artiste Sophie Calle qui dit ça. Les moments qui sont durs, il faut en faire quelque chose. On retrouve David maintenant. David est atteint d'une épidermiolyse bulleuse, maladie de la peau, qui se battait chaque jour pour avoir une vie comparable à celle de tout le monde. Son angoisse, c'était de ne pas pouvoir devenir père, parce qu'il y avait un risque de transmission de la maladie. Et comme vient de le dire, comme vient de le dire aujourd'hui, la maman de Céane, à l'instant, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Lui a traversé cette maladie, mais il n'a pas envie que quelqu'un d'autre la vive. Et pourtant, il la vit bien. C'est un témoignage qui vous a particulièrement marqué. On reçoit encore des courriers où on fait allusion à votre témoignage. Vous en avez reçu aussi après votre passage à l'émission beaucoup. Regardez. David, vous êtes atteint d'épidermolyse bulleuse, une maladie génétique qui provoque depuis tout petit des plaies ouvertes sur tout le corps. En 2000, David était venu avec sa femme, Séverine, pour nous parler de sa maladie. Une maladie génétique provoquant une hypersensibilité de l'épiderme. Le moindre choc que j'ai, c'est une plaie ouverte ou une ampoule, quoi, sur à peu près toutes les parties du corps, principalement les articulations. De nouvelles plaies apparaissaient sans cesse. Tous les jours, David devait subir des soins qui le faisaient affreusement souffrir. J'ai une maladie qui est douloureuse également. Ouais, complètement. Je crois que c'est le pire. C'est une douleur anonyme, en fait. Là, je suis assis, et j'ai mal à certains endroits de mon corps, et ça, il n'y a que moi qui le sais. Là, c'est un calvaire au quotidien. Ouais. Partout où on est, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, il y a un endroit du corps qui nous rappelle qu'on est atteint. Et ça, c'est le plus dur à vivre. Ouais. David et Séverine étaient ensemble depuis 7 ans. Ils rêvaient de faire un enfant, mais avec une chance sur deux de transmettre la maladie, David était réticent. Moi, je ne peux pas compter sur la chance pour qu'il ne l'ait pas. Quoi. J'ai appris à vivre avec, peut-être que mon enfant ne va pas du tout y arriver. À l'époque, aucune technique ne permettait d'empêcher la transmission de la maladie. Malgré son désir d'enfant, David était prêt à renoncer. Moi, je ne pourrais surtout pas, mais jamais de la vie, assumer une chose pareille. Quoi. Ah, c'était un moment clé, hein. C'était un moment crucial. Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait de ce moment-là? En fait, au départ, l'idéal pour nous était de prendre une décision assez vite. L'heure tourne, nos âges, bien sûr, évoluent. J'ai 33 ans, mon épouse 32. À l'époque? Non, aujourd'hui. C'est parce que je voulais dire, oui, vous n'êtes pas si vieux, quoi. Oui. Soyez gentil, mais gentil, je vous jure. Non, mais je veux vous dire, par rapport à la médecine, c'est quand même très limité, quoi. Aujourd'hui, mon objectif reste le même, c'est avoir un enfant. Exactement avec le même état d'esprit que la dernière fois, en m'aidant au maximum des possibilités médicales, à savoir le diagnostic préimplantatoire. C'est technique, ça demande beaucoup d'examens, il est lancé depuis à peu près un an. Et si vous le savez, que cet enfant porte le même gène que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Justement, on a aujourd'hui deux solutions. Soit, et c'est celle qu'on souhaite le plus, bien sûr, accéder à des aides médicales pour que cet enfant ne soit pas atteint. Ça, c'est l'idéal et c'est l'essentiel. Et on le souhaite comment? Et s'il est atteint? On va devoir faire un choix. On va devoir faire un choix. Aujourd'hui, on en est à un stade en fait, où le désir d'enfant passe devant. Ça serait un vrai... très honnêtement, je pense que ça va être délicat. Mais aujourd'hui, on veut de toute façon, c'est sûr, un enfant. Et dans les 24 mois qui vont arriver, on l'aura. Vous viendrez nous en reparler de ça. Parce que là, finalement, l'enjeu il reste le même, sauf que l'heure biologique tourne. Voilà. C'est si difficile à vivre que ça, la vie, pour vous? Ouais. Pourquoi? J'ai quelques exemples. Ce que disait tout à l'heure monsieur, je ne sais plus votre prénom. Vincent. Je pense. Il a aujourd'hui des doutes. Enfin, on voit bien, je ne remets pas en question ce témoignage, au contraire, ça m'a bien intéressé. Je rêve, moi, de voir ma femme avec son ventre arrondi. Je rêve de comment... Non, mais je rêve d'aller l'assister aux échos. À chaque fois, j'en louperai pas une. C'est clair, quoi. Culpabilité. On passe dans un magasin de vêtements, on s'arrête aux vêtements de bébé, quoi. On vit avec un bébé virtuel, il n'est pas là. Et aujourd'hui... Sans pas compte de son bonheur, parfois. De plus en plus aujourd'hui, en fait, on va à l'essentiel.
Il le faut. Et c'est capital pour nous deux. Hein. Peut-être plus pour mon épouse que pour moi, en fait. Parce que moi, j'ai tardé, j'ai freiné. Aujourd'hui, non. Vous voulez dire un mot là-dessus? On parle de vous. Non. Allez. Vous êtes muette. Non, mais... Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Vous êtes d'accord? Ah, c'est la folie. Après, enfin, voilà quoi. Bon, je ne remets pas en question. Je suis tout petit maintenant. Non, c'est pas le but. Non, mais j'ai combien? Je ne remets pas en question le témoignage de quiconque, au contraire. C'est intéressant. Et je me doute bien que le jour où nous aurons un enfant, en fait, on aura des soucis comme tout le monde, quoi. Parce que, bah, on va peut-être devoir aussi se régler par rapport à son horloge biologique, etc. Ça, je le conçois. Mais moi, ce qui est capital, c'est de l'avoir. Écoute, je suis prêt à aller faire les examens. Ça fait un an qu'on en fait. Et comment va la maladie? Je regarde vos mains, votre visage est impeccable. Ça, ça reste. Pour moi, ça ne bougera pas. C'est-à-dire, ça ne bougera pas? Vous aurez toujours des soucis plaies, tout ça? Ouais. Pour moi, il n'y a rien à faire. C'est clair. Je sais qu'à Nice, il y a quelques recherches qui sont faites. J'ai lu qu'à Nice, sur une enfant en bas âge, des tests localisés, c'est-à-dire à certains endroits dans son corps, ont été faits pour améliorer les qualités de la peau. Enfin, c'est une maladie génétique, vous avez? Oui. Ouais. On va en parler au Téléthon. Oui. Serez avec nous pour le Téléthon, on fait une opération spéciale à réservoir. Oui. Enfin, voilà, très bien, très bien. Ça, c'est bientôt, c'est 6 décembre, 5-6 décembre prochain. D'accord. Ok. Ouais. Merci. On fait une opération spéciale. On fait une opération spéciale. Téléthon est en train de conclure notre émission. Juste, on était à la 7e étape, au 15e saison en 7e étape. C'était le nouveau souffle. Alors, on va donner la parole aux plus anciens d'entre nous, hein, si j'ose dire. Jean-Luc et Joël, d'abord, votre truc à vous pour que le nouveau souffle après le départ des enfants, le nouveau souffle reprenne. Après le départ des enfants, moi j'ai essayé de rester le coquette le plus possible. C'est réussi. Oui, merci. Et j'ai continué un peu à faire ce qu'on avait gardé l'habitude déjà quand les enfants sont nés, c'est que tous les ans déjà au mois de mai on partait 3 jours tous les deux et ça c'était important. On partirait que quelques jours, c'est ça la chanson, c'est... Truc, encore, c'est ça. Ou encore, oui, d'accord, je me rappelle ça. Oui. Alzheimer, ça n'arrive plus à cause autre. Hein, merci. Votre truc à vous, le dimanche, qu'est-ce que je... Le dimanche, il arrive que le dimanche, on se retrouve tous les deux et c'est assez coquin, on va dire. C'est le jour du Seigneur. Hein. Le dimanche, c'est avec les enfants et la semaine, c'est tous les deux. Le nouveau souffle. Mmh. Le nouveau souffle, la communication. Ouais. C'est en cours, là, j'ai l'impression. Vous êtes bien, là, comme ça, parce que vous avez une console en ligne. C'est une bonne idée, ça. La coquine ouille. La coquine. Je vais vous appeler Miss Mine de Rien, vous. Alors, le truc, c'est quoi? Vous demandez à André, d'abord. Il y a le nouveau souffle, c'est qu'on parle beaucoup plus qu'on pouvait parler auparavant. On a plus le temps de le faire. Donc, on s'apprécie aussi beaucoup plus et on s'est mis à faire beaucoup d'activités ensemble qu'on ne faisait pas. Ouais, partager beaucoup plus. Donc moi, je faisais de la peinture pendant un moment, donc Jeanne aussi s'est mise à faire de la peinture et maintenant, on s'est dit qu'on allait faire la peinture tous les deux. Quoi. La peinture à quatre mains? Oui, la peinture à quatre mains. Voilà. Voilà, c'est une nouvelle méthode. Voilà. Votre point de vue à vous? Oui, pareil. Sur la réussite du second souffle. Moi, la route. Après 3 années où vous avez été séparés. Hein. Ouais. 3 années. Oui, mais moi, j'ai. Pomponnette, c'est pomponnet. Et parti puis revenu. Mais moi, la routine, je ne m'en apercevais pas. Moi, j'étais bien. Nouveau souffle. Donc, nouveau souffle, c'est que maintenant, nous faisons des balades en montagne, des randonnées, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Et puis... Et puis, on est peut-être moins l'un sur l'autre aussi, quand même, disons. On s'accorde beaucoup plus de liberté. Vous vivez séparément? Non. Vous avez des moments de... Oui. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment ensemble. Parce qu'il y a des gens qui sont collés l'un à l'autre et qui ne sont pas ensemble. Partagez des... Voilà. OK. Pietra et Julien, vous êtes trop jeunes pour que je vous demande la recette du second souffle. Qu'est-ce que vous garderez de cette émission, tous les deux? Merci d'avoir été avec nous aussi. Julien? D'abord... Non, c'est Pietra qui parle. Allez. Vas-y. Moi, ce qui me marque par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Nous, on utilise beaucoup, que ce soit les fantasmes et nos névroses. Les fantasmes et les névroses? Oui, pour créer, on se sert de tout ça pour créer de la matière chorégraphique, pour faire du mouvement, pour que le corps exprime des choses. Et que ce qui me marque par rapport à tout ce qu'on a raconté, on a raconté beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de mots. Parfois, ils sont marquants, comme le dernier slam du jeune homme qui était magnifique. Mais quand on voit toutes ces histoires, que ce soit la rencontre, le premier regard, on a parlé aussi d'être séduit sans parler, le fait d'aller aussi voir ailleurs,
le désir qui peut s'effacer. Je pense que le corps a, justement dans le couple, peut-être qu'on n'est pas fait naturellement pour vivre en couple, et que le corps, l'instinctif, a plein de choses à nous dire, et qu'on a tendance des fois à considérer ça comme quelque chose de très à part. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce que pour pas que ça reste des mots, si j'ose dire. Oui, justement, c'est-à-dire que ce qui me marque, c'est que le corps est très... c'est pas influent que je veux dire, mais... Le corps raconte beaucoup de choses dans cette histoire. Alors, nous qui ne sommes pas des génies comme vous, comment on peut l'appliquer dans nos vies quotidiennes, ce que vous êtes en train de dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est des. Voilà, les couples qu'on a pu voir ou les peurs qu'il y a sur les transformations du corps, tout ça, c'est justement la relation n'est pas qu'analytique. Ce que je veux dire, c'est que c'est un ressenti profond. Et que ça, c'est peut-être ça qui fait que toutes les questions qu'on peut se poser, finalement, plus on se pose de questions et moins on a de réponses, parce que les choses sont des fois soit plus simples. D'accord, donc écouter plus son instinct et moins peut-être... Ou apprendre à l'écouter. On parlait de communication, la communication, c'est pas que les mots. La communication, c'est se regarder, c'est entendre. C'est justement tout ça, c'est des sens. C'est pas des fois, on peut se parler sans finalement rien se raconter. Et je crois que c'est un peu tout ça, c'est cette prise en compte, cette conscience du corps et du corps de l'autre. Et on le voit à travers les peurs, à travers les envies, les désirs que c'est pas des souvent, Julien, mais quand il parle... C'est moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ma partie, c'est ce qui m'a intéressé. C'est vrai que ce sont des choses qui, moi, me... c'est des beaux duos, finalement. C'est un bout de chemin que les gens font ensemble, se quittent, se retrouvent, parfois se quittent définitivement, plus ou moins long. Mais c'est ce voyage, il est à tenter, quoi, à dépasser cette peur. C'est le seul voyage qui tente de vivre. Et puis, ce que nous disent nos invités à l'instant, savoir qu'on peut être collés l'un à l'autre, mais sans être ensemble, c'est à méditer. Vous arrivez aujourd'hui à vous retrouver ensemble. Même en étant éloigné, et puis surtout quand vous vous retrouvez, vous êtes vraiment ensemble. Et vous, Pietra? Ben moi, je suis très très impressionnée par les gens qui viennent témoigner comme ça, parce que franchement, c'est assez étonnant, cette émission. Comme l'a dit Julien, je crois qu'il y a un petit dénominateur commun qu'on a tous en soi, c'est la peur de quand un enfant s'en va du foyer, la peur de vieillir, la peur aussi de mourir, parce que voilà, ça c'est quelque chose qui nous habite au quotidien. Mais je voudrais peut-être faire un message plus particulièrement à Vincent, voilà, qui m'a beaucoup touchée et qui je trouve qu'il est d'une hypersensibilité. Des fois, les gens, la réaction du public, c'est peut-être de rire à ce qu'il vient de dire. Mais ça veut dire que c'est touché souvent. C'est-à-dire qu'on est touché quand on rit. Je pense que ce que j'ai envie de lui dire, c'est que la vie à deux est magnifique. Déjà, la vie tout seul est magnifique. La vie à deux est une aventure, comme disait Julien, un voyage extraordinaire. Mais la vie à trois ou à quatre, quand les enfants arrivent, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir quand on n'est pas parent. Ah ouais, et dès que l'enfant arrive, c'est extraordinaire. Donc, c'est quelque chose... Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir... lâchez prise, faites confiance à la vie. Naturellement. Ouais. Et faites confiance aussi à votre femme. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est très abstrait quand on est père. Ça peut le rester en plus quelques temps après quand l'enfant paraît, parce que la relation... on parle trop. C'est vrai, Julien? Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'ils seront au Palais des Congrès du 6 au 15 mars 2009 et dans toute la France ensuite. Pour Marco Polo, couple à la ville, couple à la scène. Merci à tous nos invités. Bravo pour le slam. Ça a déchiré. En direct. Et à tous les invités. Bravo, merci. C'est bien. Je suis comme un pantin sans fil, un peu fragile, et j'erre dans le RER à la recherche de celle qui pourrait me plaire. Après, retour à l'appartement du célibataire, où il n'y a rien à faire à part se faire un tilleul quand on est seul. Vous voulez savoir ce que c'est le plan d'enfer pour un célibataire? Ouais. Ben, je vais vous le dire. Le matin, je me lève et je sors de mes rêves. Ah tiens, aujourd'hui, c'est jour de grève. J'en profitais pour faire du shopping en suivant mon feeling. Et après, l'après-midi, après avoir bouffé un hamburger en sentant les fleurs, direction l'appartement d'un nouveau pote célibataire qui ne sait que faire de ses journées foutues en l'air à cause de son ex qu'il a quitté sans aucun prétexte. Le soir, c'est le plan drague. Pas question de se planter une dague au plein cœur, car pour trouver l'âme sœur, c'est une question d'heure. Après, discothèque. Attention, les gars et filles, ça va être votre fête.